Bonsoir YouTube. Nous avons déjà lu les règles pour vous. Nous allons faire Alice au pays des cauchemars. On a lu les règles, voilà. On a fait notre personnage. Nous serons donc Alice. Nous avons 9 en agilité, 9 en logique, 0 en irrationalité. On va démarrer une partie, 9 en combat et 21 en endurance. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour moi tout ça. Nous démarrons donc dans le terrier du lapin. Tu es en retard ! Debout ! Alice se réveille en sursaut et regarde avec stupéfaction ce qui l'entoure. Elle se trouve assise à côté d'une rivière, au milieu d'un doux après-midi d'été. Des pâquerettes parsèment les longues herbes qui lui tenaient au lieu de lit il y a un instant. L'eau s'écoule en glougloutant paisiblement. Tout ceci paraît curieusement familier. Ne reste pas assise comme ça ! Lève-toi ! Tu es en retard ! Reprend la voix stridente. Engourdie par la chaleur ambiante, Alice tourne la tête vers l'origine de la voix. Là, à l'ombre d'un noisetier, se tient un lapin blanc. Mais ce n'est pas n'importe quel lapin blanc. Celui-ci est vêtu, à la manière d'un gentleman anglais avec une veste, un gilet et tout le reste. Ses oreilles dépenaillées sont percées de trous dont s'échappe une sorte de bourre. Et, lorsqu'il incline la tête pour l'observer de ses yeux roses et vitreux, Alice croit saisir un grincement de mécanisme. La fillette se lève d'un bond, se rappelant soudain avoir déjà rencontré quelque chose qui ressemblait à ce lapin, portant un gilet et tenant une montre à gousset. Mais les pattes du lapin ne tiennent pas de montre, cette fois-ci. Comment pouvez-vous affirmer que je suis en retard alors que rien ne vous permet de savoir l'heure qu'il est ? Demande Alice, n'ayant pas l'intention de se laisser impressionner par un animal qui semble tout droit sorti d'un atelier de taxidermiste. Le lapin déboutonne son gilet, sans rien répondre. Ok. Et Alice, oubliant toute envie de plaisanter, laisse échapper une exclamation d'horreur. Incrustée dans le ventre de l'animal, occupant tout l'espace séparant la cage thoracique du bassin, une énorme montre mesure l'écoulement du temps. Des lambeaux de chair déchirés sont visibles ça et là, entre les sutures métalliques qui arrachent le mécanisme, qui attachent le mécanisme au lapin. Donc on voit ici l'horloge. Comment puis-je être en retard ? Demande Alice, alors que je ne sais même pas ce pourquoi je suis en retard. Elle réalise soudain que le vent s'est levé. Des nuages font la course dans le ciel, dont le bleu azur a cédé la place à un vermeil menaçant. « On a besoin de toi au pays des merveilles !» lui apprend le lapin blanc, les frémissements de son nez accompagnés d'un frombissement mécanique. « Le pays des merveilles ?» Ce nom est vaguement familier. Ça ne fait pas de doute, mais Alice ne se souvient pas pourquoi. « C'est la reine de cœur ! Le royaume tout entier a souffert des ravages de sa tyrannie et les choses sont devenues encore bien pires qu'avant !» C'est un miracle si je suis parvenu à échapper à ces hommes tic-tac! Avant? Murmure Alice, comme dans un songe. Des hommes tic-tac? Oui! Des hommes tic-tac! Comment crois-tu que je me suis retrouvé ainsi? S'exclame le lapin, regardant la montre qui a remplacé presque toute la chair de son ventre. Alice regarde l'animal avec une stupéfaction ahurie, et il lui faut un instant pour retrouver l'usage de sa voix. Pourquoi me dites-vous ceci ? Qu'attendez-vous que je fasse ? Pourquoi ? S'étrangle le lapin avec incrédulité. Nous avons besoin de toi, Alice ! Le pays des merveilles a besoin de toi ! Mais que voulez-vous que je fasse ? Nous avons besoin que tu tues la reine, bien sûr ! Tuer la reine ? Répète Alice. Mais pourquoi moi ? Le lapin blanc soupire avec exaspération. Il doit prendre une profonde inspiration pour se calmer avant de répondre. Parce que c'est ton cauchemar ! À présent, rendez-vous à 1. Oh, le lapin. Le lapin, les gens. Il est trop bien. Franchement, les illus sont superbes. Juste pour les illus, je suis content d'avoir le bouquin. Alice regarde le lapin sans trop savoir que dire. Une douzaine de questions lui emplissent l'esprit. Qui est la reine de cœur ? Qui a changé le lapin blanc en une horloge vivante ? Et comment s'imagine-t-il qu'elle pourrait tuer quelqu'un ? Après tout, elle n'a que 11 ans. Mais avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit, le lapin blanc reprend. « Allons ! Il n'y a pas un instant à perdre ! Le temps presse !
déclare-t-il avec un coup d'œil appuyé sur la montre qui lui remplit le ventre. Et là-dessus, il tourne les talons et décampe à travers les longues herbes aplaties par le vent. Si vous pensez qu'Alice devrait se lancer à sa poursuite, rendez-vous au 20. Si vous estimez qu'il ne saurait être sage de suivre un lapin parlant à demi mécanisé, rendez-vous au 39. Les gens, vous allez donc pouvoir voter dans le chat en mettant les numéros liés au choix. Quel choix ? Suivant le lapin blanc de la... Ne pas le suivre. Non, non, genre un ou deux. Attendez, je vais remettre l'ambiance. Je pense que la playlist n'est pas adaptée, les gens. Je vais changer, je vais remettre des musiques d'horreur classiques. Je pense que ça sera mieux. Parce que là, c'est un peu trop... C'est pas ce qu'on veut. Ok, suivre le lapin blanc remporte étonnamment. Hein, vous voulez suivre le lapin blanc. Très bien. Nous allons en 20. Brûlant de curiosité, Alice court après le lapin. Alors qu'elle se croit sur le point de le rattraper, l'animal s'engouffre soudain dans un large terrier en dessous d'une haie. Alice s'arrête et plonge le regard dans cette pénombre terreuse. Tout ceci semble très familier, mais elle ne parvient pas à se souvenir pourquoi. En élargissant un peu l'entrée avec ses mains, elle devrait pouvoir se glisser à l'intérieur du terrier, mais cela salirait indubitablement sa robe. Et que dirait sa nourrice ? Dans son dos, le vent ne cesse de se renforcer. Si vous pensez qu'Alice devrait suivre le lapin blanc sous terre, rendez-vous au 57. Si vous jugez qu'il n'est pas convenable pour une jeune fille d'aller ramper dans la terre du terrier de lapin, rendez-vous au 64. Bon, c'est basiquement la même question. Je pense que si on reste, on meurt. Hein. Mais bon, c'est mon avis. Je ne suis que... Alice. On suit le lapin blanc en 57. Oh, trop bien, je vais vous montrer. Alice rampe tant bien que mal dans le tunnel sombre et glaiseux, incapable de distinguer quoi que ce soit à plus de quelques centimètres. Le lapin blanc a disparu. Plus Alice s'enfonce dans le tunnel, dont le plafond est tapissé de minces racines et de verre grouillant, plus la pénombre s'épaissit. Le tunnel s'incline soudainement vers le bas, si soudainement en fait qu'Alice n'a pas le temps de se rattraper à quoi que ce soit avant de plonger la tête la première dans la gorge de ce qui est clairement un puits très profond. Augmenté de 2 points le score d'irrationalité d'Alice. Nick, ta mère. Ses yeux s'habituant à l'obscurité au fil de sa chute, Alice réalise que les parois qui l'entourent sont couvertes de placards et d'étagères. En dessous d'elle, l'extrémité du puits reste en revanche invisible. Alice est sur le point de passer à proximité d'un placard. Si vous pensez qu'elle devrait essayer de découvrir ce qu'il renferme, rendez-vous au 109. Sinon, rendez-vous au 156. Et regardez-moi cette silhouette encore une fois d'Alice qui tombe dans le tunnel sans fin. Je comprends pas où il est où Morpheus, mais j'avoue. Donc placard ou chute, on est d'accord. C'est vrai que les lapins blancs, il faut bien s'en méfier. Avec Trinity chez le Mérovingien, s'il est pas con. Putain, le Mérovingien, quoi. Vous me rappelez les pires moments de notre histoire. Hein. Matrix 2 et 3. Mais c'est vrai qu'il y a un 4, j'ai toujours pas vu Matrix 4. Je sais pas si j'ai envie de le voir. Ça a l'air d'être pas terrible. Placard, très bien. Placard, c'est 109. S'emparer en tombant d'un des objets du placard ne va pas se révéler aussi facile qu'on pourrait le penser. Effectue un test d'agilité. Ou putain du cul. Test d'agilité. 2d6. 7, c'est réussi. 133 donc.
Les gens, je suis content. On commence par un bon jet de dés, ça me fait plaisir. Je vais pas vous cacher. Alice parvient à ouvrir la porte du placard d'une main et plonge l'autre à l'intérieur d'où elle retire une large paire de ciseaux. Notez les ciseaux. D'accord. Sur la feuille d'aventure. On a des ciseaux, les gens. Si jamais elle se retrouve contrainte de se battre, elle pourra utiliser ses ciseaux en guise d'arme. Ils feront perdre 3 points d'endurance à ses adversaires chaque fois qu'elle les blessera au lieu de 2. Ouh. Ok, c'est pas mal. On est dans Alice McGee, en vrai. Rendez-vous au 150. En vrai, les gens, vous avez fait le bon choix. Ça me fait... Oh, les gens, il y a des images qui sont trop belles. Je vous montre rien pour pas vous spoiler, mais c'est trop... Tandis qu'Alice continue de dégringoler le long du puits, elle aperçoit un buffet qui se rapproche d'elle à toute vitesse. Si vous voulez qu'elle tente de le prendre, ce qu'elle pourra dedans le meuble, 178. Je pense qu'à un moment, ça va se retourner contre nous, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas un buffet, c'est pas un placard, c'est un buffet, mais c'est pareil, d'accord ? Et peut-être qu'on va pouvoir se servir pour couper les choses. Mais déjà, on a une arme. On a choisi la version avec combat parce que sinon c'est plus dur, King of Stress. Ok, placard. Je pense que ça va être une très mauvaise idée parce que je pense que c'est pour nous punir. 178. Nous allons voir ça. Alice tend la main et parvient à attraper un bocal de verre. Sur son étiquette sont écrits en pâte de mouche les mots marmelade d'orange. Le bocal est plein. Inscrivez le bocal de marmelade sur la feuille d'aventure et notez que son contenu représente 4 portions. Alice peut consommer une portion de marmelade à n'importe quel moment, sauf pendant un combat, qui lui fera gagner 4 points d'endurance. Pas mal! En vrai, on commence très bien. Donc, marmelade. Marmelade orange. Fois 4. Plus 4. Pas mal. On est bien stuffé. Il nous manque l'épée solaire là. Et on sera bon. Rendez-vous au 12. Ok, bon, on est bien. Maintenant, amenez-nous Jabberwocky qu'on lui coupe la tête. Le buffet disparaît en dessous d'elle. Continuant de tomber, Alice atteint une section du puits ornée de cartes sous verre et de tableaux pendus à des clous. Si vous souhaitez qu'Alice essaie de s'emparer de l'une de ses décorations, rendez-vous au 33. Sinon, est-ce que c'est une bonne idée ? Ça, je ne sais pas. Prendre une déco, tomber. Moi, là, je pense qu'il faut faire gaffe à pas être greedy, les gens. On a eu déjà 2 belles récompenses. Je pense que là, c'est le moment où... là, ça va... C'est genre, tu prends le truc, le glaive de Summerlund. Comment réussir à battre tous les ennemis automatiquement? Bah, c'est ce qu'on avait, c'était un peu naze, loup solitaire pour ça. Les gens... S'il y a un chapitre 340 et qu'on y va, les gens, je vous fais gagner un jeu. D'accord? Ok, on tombe. Je pense que c'est mieux. 82. Tombant toujours la tête la première, Alice réalise qu'elle approche rapidement d'une étagère branlante. Si vous voulez qu'elle les saisisse un livre au passage, rendez-vous 102. Sinon, non. Donc là, c'est prendre un livre. D'accord, je réécris pas, mais c'est prendre un livre. Putain, cette chute infinie. Un livre, c'est moins risqué. Après, tu peux te couper sur le papier. Mais on a un ciseau. Enfin, des ciseaux. Vous pensez que c'est de la magie, vous ? Très bien, on prend un livre. 102. Ça serait beaucoup trop drôle que ça nous tue maintenant. Ok. Les doigts d'Alice se referment sur la couverture de cuir d'un mince volume qu'elle retire de son étagère en continuant de tomber. Le vent sifflant à ses oreilles, elle feuillette le livre, mais n'y découvre aucune image ni aucune conversation. Quel est l'intérêt d'un livre sans images ni conversation ? Se demande-t-elle à voix haute. Elle s'arrête à une page où se trouve imprimé un étrange poème qui lui rappelle une comptine
que sa nourrice lui chantait, mais se révèle bien différente dans les détails. Elle se met à le lire. « Brille, brille, petite chauve-souris. Je ne sais comment tu vis. Tu voles par-dessus la terre, comme un sous-marin dans les airs. Brille, brille, petite chauve-souris. Je ne sais comment tu vis. » Quel étrange poème, se dit Alice, avant de sursauter, lorsque le livre commence à palpiter entre ses doigts. Sous ses yeux, le volume se transforme, sa couverture de cuir fendillée devenant les ailes d'une grande chauve-souris, tandis que ses pages décédées s'éparpillent dans l'air. Et soudain, la fillette tient une chauve-souris bien réelle et tout à fait furieuse, qui révèle ses canines effilées en poussant un cri suraigu. Effectuez un test d'irrationalité. Deux, et il faut faire au-dessus, c'est bon. On est bon. J'ai fait 5. On a réussi. On aurait pu être tué par le livre. Conservant toute sa présence d'esprit, bien qu'elle ait une chauve-souris entre les mains, Alice déclare « Je suis certaine que le vrai poète dit « brille, brille, petite étoile ». Dès qu'elle prononce le mot « étoile », toutes les lanternes accrochées aux parois s'allument, baignant de lumière l'intérieur du puits. La chauve-souris pousse un cri de souffrance et s'enfuit à tire-d'aile, cherchant parmi les étagères un recoin obscur où elle puisse se cacher. Rendez-vous au 62. Juste au moment où Alice songe qu'il est impossible qu'elle continue à tomber davantage, le sol apparaît brusquement au bas du puits. Elle atterrit dans un tas de feuilles mortes qui amortissent miraculeusement sa chute, puis se révèle rapidement indemne, réduisez de 2 points le score d'irrationalité. Impec. Rendez-vous au 114. Donc, on est bon pour les points d'irrationalité. Ça fait du bien. On est de retour à 0 en irrationalité. Un autre long passage s'étend devant Alice. Il n'y a aucune trace du lapin blanc, mais elle peut entendre un bruit de mécanisme venant de quelque part devant elle. Il n'y a pas un instant à perdre. Courant le long du couloir, Alice parvient à un tournant derrière lequel elle découvre un hall long et plat, éclairé par des lampes suspendues au plafond. Des portes entourent la pièce, mais les yeux d'Alice ne se détournent guère des deux silhouettes maigres qui s'avancent vers elle, portées par des jambes minces comme des aiguilles. Bien qu'ils en aient la forme, ce ne sont très clairement pas des hommes, car leurs membres sont constitués de morceaux de métal et leurs entrailles ressemblent au rouage d'une horloge. Tic-tac, tic-tac, font les mécanismes alors que les hommes de métal se rapprochent, un éclat sinistre dans les yeux ronds comme des montres. Tic-tac, tic-tac. Alice est terrifiée à la vue de ces créatures mécaniques, dont les pièces cuivrées luisent sous l'éclat des lampes. Ajoutez 1 point au score d'irrationalité. Elle tremble de peur, le visage pâle comme un linge. Que devrait-elle faire à présent? Oh putain, je vous les montre, ils sont badants. Je les voyais pas du tout comme ça, et là, le fait de les voir, ils sont trop bien. On dirait des monstres un petit peu à la... Je sais pas, je les verrais bien dans Dishonored. Ils sont trop bien. Pour essayer de contourner adroitement les hommes tic-tac, rendez-vous au 5. Pour adresser la parole aux êtres mécaniques, rendez-vous au 26. Pour les attaquer avant qu'ils puissent attaquer Alice, rendez-vous au 109. Pour qu'Alice réfléchisse à une autre manière de se tirer de cette situation dangereuse machin, et pour utiliser la capacité spéciale, blablabla. Ok, alors attendez. Donc, choix numéro 1. Enfin, on va mettre discrétion. D'accord. Choix numéro 2, discussion. Choix numéro 3, attaque. Choix numéro 4, réfléchir. Choix numéro 5, capacité spéciale. Je vous rappelle que la capacité spéciale est extrêmement limitée, hein.
On en a 3 pour toute la aventure. C'est la première fois de notre vie qu'on voit un monstre. Peut-être qu'on peut faire mieux que ça. On a des ciseaux, c'est vrai. Mais ils sont 2. Ok, donc la discrétion l'emporte. Numéro 5. À la démarche des hommes tic-tac, Alice devine qu'ils lui veulent du mal et qu'elle ferait bien de ne pas tomber entre leurs mains mécaniques. Soulevant le rebord de sa robe, elle court dans leur direction. Fin au dernier moment de bifurquer sur la droite, puis se jette sur sa gauche. Effectue un test d'agilité. God, please! Oh putain de merde. 8. Genre, à un point les gens, à un point! Nous avons réussi. On rendez-vous au 25. On aurait pu crever comme des merdes. Hein. Son plan fonctionne à merveille. Les hommes tic-tac croyant la saisir referment leurs poignets métalliques sur le vide lorsqu'Alice les contourne de l'autre côté. Les hommes tic-tac se retournent aussitôt et se lancent de nouveau à sa poursuite. Il faut sortir de ce hall au plus vite. Alice court jusqu'à la porte la plus proche mais elle se révèle verrouillée, ainsi que la suivante et celle d'après. Si vous pensez qu'Alice devrait continuer à essayer ses portes une par une, rendez-vous au 296. Si vous estimez qu'il faudrait mieux faire face au sinistre gardien de ce lieu... Ok. Donc, porte ou combat. Mortal Kombat! J'avoue qu'il y a un côté fausse urgence dans le truc. Ok, porte. J'ai l'impression d'être avec un marchand de tapis. Là. Ah, je peux vous le vendre maintenant, mais si vous l'achetez maintenant, vous le payez moins cher. 296. La porte suivante est verrouillée, ainsi que sa voisine. Le mécanisme des hommes tic-tac se fait entendre de plus en plus distinctement tandis qu'Alice continue d'essayer les portes les unes après les autres. Alors qu'elle imagine déjà les griffes métalliques se tendent vers elle, une poignée pivote. La porte s'ouvre et la fillette se précipite de l'autre côté avant de claquer le battant derrière elle. Alice est surprise de se retrouver à l'air libre, baignant dans la lumière du jour. Elle se tient à l'extrémité d'un sentier de gravier qui serpente jusqu'à une petite maison coquette. Une plaque de cuivre poli est clouée sur la porte d'entrée. Mais la fillette ne parvient pas à distinguer le nom qui s'y trouve gravé. Rendez-vous en 2. Alice suit le chemin de gravier qui la conduit à la porte d'une coquette maison. Elle, blanc, est gravée sur une petite plaque de cuivre et le terrier peint sur le linteau. « Il n'est pas bien difficile de deviner qui habite ici, » se dit la fillette. Alice, qui a été bien élevée, sait qu'il ne faut jamais entrer dans une pièce, et à plus forte raison dans une maison, sans avoir toqué auparavant. Mais beaucoup de choses dans cet étrange pays n'obéissent pas aux règles habituelles. Peut-être devrait-elle entrer d'abord et toquer ensuite. Si vous voulez qu'Alice toque à la porte, rendez-vous au 10. Si vous préférez qu'elle essaye d'ouvrir la porte, rendez-vous au 483. J'avoue que je trouve la logique logique. Toquer, entrer. Pété, roté. Elle comme Lupin. Lupin blanc. Laurent Blanc, ouais. Je sens la couille. Je sens la couille. Après, il y a le côté, c'est l'inverse de l'inverse de l'inverse. Le lapin est joué par Omar Sy. Je sais pas, il est pas censé avoir une voix sympathique, donc... Bof. On est poli, là, on n'a pas été élevé par les chefs, tu sais. Très bien, on va toquer. Rendez-vous en 20. Attendez, non, je me suis trompé. En 10. Alice toque. Quelques instants après, elle entend le bruit de pas étouffé de l'autre côté de la porte, puis une petite voix qui couine. Qui est là ? Voilà une bonne question, se dit Alice. Je pense que je suis Alice,
Hier, pour autant que je me souvienne, tout s'est passé comme d'habitude, mais aujourd'hui, tant de choses étranges ont eu lieu que je me demande si je n'ai pas été remplacée pendant la nuit. Voyons, est-ce que j'étais la même lorsque je me suis levée ce matin ? Il me semble presque me rappeler que je me sentais un peu différente, mais si je ne suis pas la même, alors qui puis-je bien être ? Ah, voilà la grande énigme. Alice ? Non, Alice ? Finit-elle par dire à voix haute, encore avec un peu d'hésitation. C'est bien elle ! Fait une deuxième voix plus rude que la première. Tu devrais le laisser rentrer ! La porte s'ouvre et Alice se trouve face à un lézard, portant des vêtements et une casquette de jardinier, et une souris habillée de façon très élégante à la manière d'un employé de banque. Ok. Par ici ! Dit la souris. Mais vous pouvez venir aussi, monsieur Bixby ! Ajoute-t-elle à l'intention du lézard. Le lézard s'appelle Bixby. Alice suit la souris à travers un hall dallé, puis une pièce remplie de cloches de verre contenant des animaux empaillés, avant de parvenir enfin dans un petit salon confortable. C'est là, derrière un bureau recouvert de cuir vert, que se situe le maître des lieux, le lapin blanc. « Ah ! Te voilà enfin !» s'exclame le lapin avec un soupir exaspéré. Rendez-vous au 135. « Tu n'as jamais été très ponctuel !» poursuit le lapin blanc, regardant Alice dans ses yeux sans vie. « Je suis là à présent, » dit la fillette, un peu agacée par le reproche, avant d'ajouter « Mais où sommes-nous au juste ?»« Eh bien, dans ma maison, naturellement !» répond le lapin. « Quelle étrange question !» ajoute-t-il à l'intention du lézard et de la souris. « Et où se trouve cette maison, exactement ?» Les animaux regardent Alice avec ébahissement, comme si elle était un singe qui venait d'apprendre à marcher et à parler. Encore qu'une telle chose doit sans doute être très ordinaire dans ces contrées, quelle qu'elle soit. Mais au pays des merveilles, bien sûr ! S'exclame le lapin blanc avec une irritation croissante. Est-ce que tu ne te souviens pas ? Me souvenir de quoi ? Tout ceci ! Le pays des merveilles ! Alice secoue la tête. Le hall des portes ! Alice secoue la tête de nouveau. Le superbe jardin ! Je suis vraiment désolé, monsieur Lapin, mais je ne me rappelle pas du tout. Certaines choses me paraissent familières, vous par exemple, mais c'est comme si j'en avais rêvé il y a longtemps. Mais c'est parce que tu en as rêvé, déclare le lapin blanc, la fixant de ses yeux de verre. Je vois qu'il va falloir des éclaircissements et sans doute également du thé. Nous devrions commencer par le thé. Le lapin blanc secoue une clochette d'argent qui était posée sur son bureau. Alors, rien de tout ceci n'est réel ? Tout ceci n'est réel ? Dit Alice en regardant la pièce et les animaux qui l'entourent. En quoi est-ce moins réel ? Réplique le lapin blanc. Le fait que ce soit ton rêve ne signifie pas que nous nous volatilisons dès ton réveil. La vie se poursuit ici, que tu sois présente pour l'observer ou non. Alice commence à éprouver un vertige. Tout ceci est bien difficile à assimiler, commence-t-elle. Ses jambes fléchissant pour la déposer dans un fauteuil de cuir rembourré. Oui, je comprends, dit le lapin avec plus de sympathie. Pourquoi ce thé tarde-t-il tant ? Marianne ? Où est-elle donc, cette incapable ? Voudrais-tu aller voir ce qu'elle fait ? Demande-t-il à la souris. Celle-ci hoche la tête et sort de l'étude. Se souvenant de sa rencontre avec le lapin sur la berge de la rivière, Alice sent son esprit se remplir d'un tourbillon de questions. Mais laquelle est la plus urgente ? Qui est la reine rouge ? Qui vous a changé en horloge vivante ? Ou comment voulez-vous que je tue qui que ce soit ? Donc, qui est la reine rouge ? Oula. Qui a fait ça ? Comment on tue ? En fait, on peut voir ce livre, c'est un spin-off de la saison de SM dans les contrées. Mais c'est ça. Peut-être écrit différemment, quoi. Ah. Mais la Reine Rouge, on l'a zigouillé, non ? On l'a réduit à néant, la Reine Rouge. On a dette ça. Très bien, qui est la reine rouge ? 116. Merde, ça va.
dois certainement te rappeler de sa majesté, s'exclame le lapin incrédule. La souveraine caractérielle du pays des merveilles, toujours prompt à condamner les gens à mort pour le moindre motif, tranchez-leur la tête, non ? Qu'est-il arrivé au roi de cœur ? Se demande Alice en secouant la tête. Il vaut mieux pas le savoir. Le lézard passe un doigt en travers de sa gorge, accompagnant le geste d'un bruit sec de la langue. Des rumeurs, Bill, rien que des rumeurs, le gronde le lapin blanc. Mais quand on voit ce qu'elle... Attendez. Mais quand on voit ce qu'elle t'a fait, s'exclame le lézard. Allons, ne t'énerve pas comme cela, tu sais ce qui arrive lorsque tu t'énerves, et tu sais aussi que ces murs ont des oreilles. On ne saurait être trop prudent avec ces hommes tic-tac. Rendez-vous 83. C'est alors que la souris revient, apportant sur un plateau tout le nécessaire pour prendre le thé. « Je vais servir tout le monde, » déclare Alice, heureuse de cette pause. Elle remplit 4 tasses du breuvage fumant. Après tout ce qui lui est arrivé, il ne semble nullement étrange de prendre le thé en compagnie d'une souris, d'un lézard et d'une horloge incrustée dans un lapin naturalisé. « De l'Earl Grey !» fait la souris, fermant les yeux pour savourer l'arôme qui s'échappe de sa tasse. Alice prend une gorgée prudente. Le thé se révèle, en effet, délicieux et tout à fait rafraîchissant, qui fait gagner 6 points d'endurance. Putain, ça vaut le coup de venir chez vous, les gars. On passe à... Hop, plus 6. Donc on passe à 27 points d'endurance. On est quasiment max. Plutôt pas mal. Où en étais-je ? Demande le lapin blanc. Ah oui, la reine de cœur. Mais avant de pouvoir en dire davantage, il est interrompu par un grand craquement, le fracas d'un mécanisme explosant soudainement. Tous les yeux se tournent vers la grande horloge qui se transforme pour adopter une forme presque humanoïde. Son lourd pendule se balançant comme un fléau d'armes depuis un bras, ses aiguilles tranchantes s'ouvrant et se fermant comme des ciseaux à l'extrémité de l'autre. « Un espion parmi nous !» s'écrie le lapin. L'horloge sonne la fin de votre réunion secrète. À présent, que l'espion mécanique connaît vos intentions, il va éliminer ceux qui menacent la tyrannie de la reine de cœur. La souris est sa première victime. Le pendule lui fracasse le crâne, renversant en même temps tasse et théière. Un deuxième impact, merci beaucoup Corentin. Un deuxième impact projette violemment Bill, le lézard, contre la vitrine d'un meuble garni de nombreux crânes d'animaux. Il s'écroule parmi les éclats de verre tout ensanglanté. Fuis Alice ! Crie le lapin blanc. Sauve-toi ! Arrête la reine ! L'assassin mécanique le fait brutalement taire en le décapitant d'un coup de son autre bras. Alice court vers la porte paniquée, mais la grande horloge bondit soudain par-dessus le bureau et tend vers elle ses doigts tranchants. Test d'agilité. C'est bon. On a fait 9, donc je pense. Enfin, si c'est bon score ou en dessous, c'est bon, je crois. On a réussi. 69, les gens, nice! Les lames tranchantes se referment sèchement, sectionnant l'extrémité d'une mèche. Alice vient d'échapper à une blessure sérieuse, mais il en s'en est fallu d'un cheveu. Rendez-vous au 47. Oh, Eric serait mort, du coup. What? Putain, il y a un truc trop bien, les gens. La grande horloge barre le chemin séparant Alice de la porte, lui interdisant toute fuite. La fillette commence à se demander si tout ceci pourrait être un piège tendu par la reine de cœur pour éliminer son ennemi avant même qu'elle ne sache quel était son ennemi. Mais elle conserve encore une chance d'échapper au piège de la monarque démente. Si vous voulez qu'Alice utilise sa capacité, la plume est plus forte. Sinon, préparez-vous à combattre. On n'a jamais combattu, aussi bien on est bon, ou aussi bien on est nul à chier. Donc, capacité spéciale proposée, hein, je rappelle. Je pense que ça vaut le coup de faire un combat au moins une fois, et on est au début, mais peut-être que c'est un piège. Je sais pas. Putain, les gens, je suis désolé si j'ai l'air un peu crevé, mais j'ai dormi 3 heures cette nuit, et c'était 3 heures courtes. Bon, vous voulez un combat. Très bien. 27. La grande horloge approche et Alice se prépare à nouveau à combattre.
Ok, donc combat, on a un en plus. Donc on gagne. Combat, elle a... Bah on gagne en fait. Si elle... Attends, elle nous a pas touché une seule fois en fait. Attends, je vérifie un truc par rapport au combat, mais... on a largement plus qu'elle en fait. Surtout qu'on a la... On a la... Non, on l'éclate en fait. On lui défonce sa race. Parce qu'en gros, elle a 9 d'endurance, mais 8 de combat. Nous, on a 9 de combat. Donc ça veut dire que pendant nos tours, on la touche. Il n'y a que pendant ses tours où elle peut nous toucher si on fait un pair. Donc on va lancer. Pair, 6. On relance. Donc là, ça veut dire que je lui ai fait 3. Je lui refais 3. Donc j'ai juste à faire 3. Ben non, je fais 3, ça y est. Donc c'est bon, on a gagné. Puisque premier tour j'ai gagné, donc 3 de dégâts. Deuxième tour j'ai gagné avec le lancer de dés, puisque ça faisait égalité, donc 3 de dégâts. Et dernier tour, bah, j'ai gagné. Ok, et elle nous a pas touché. Hein. Si la grande horloge réussit à toucher Alice, non. Si le chiffre a perdu, ok, donc c'est non. Si Alice survit à ce périlleux combat contre la grande horloge, rendez-vous au 16. En vrai, on est plutôt balèze, hein, les gens. On n'est pas craqué, mais on est plutôt balèze. Aussi incroyable que cela paraisse, le lapin blanc semble toujours vivant. Il est vrai qu'il devrait être déjà mort lorsque Alice l'a rencontré au bord de la rivière, n'étant plus constitué que de mécanismes d'horlogerie et de bourre. À moins que cela ne puisse être considéré comme une forme de vie. Alice, tu dois partir, dit la tête du lapin. La reine connaît nos plans. Alice reste un instant paralysée par le choc, regardant avec horreur le corps décapité du lapin derrière le bureau, le crâne écrasé de la souris et le lézard à peine conscient dans un coin de la pièce. Elle ne peut visiblement rien faire pour la souris, mais peut-être est-il encore possible de sauver Bill le lézard ou même le lapin blanc. Si vous voulez qu'Alice aide le lapin ou le lézard, si vous voulez qu'elle quitte. Ok. Alice fait du MMA, j'avoue. Donc, aider le lézard, aider le lapin se casser. On a 11 ans, je ne sais pas si on peut avoir un brevet secourisme à 11 ans. C'est une très bonne question. Je dirais que bof. Mais c'est mon avis. Ah, vous voulez aider le lapin ? Ok. Aider le lapin... 168. Les paupières du lapin s'ouvrent une dernière fois. Alice entend les rouages grincer tandis qu'il articule son message. Va voir l'oracle ! Lui seul peut t'aider à se souvenir ce qui a été oublié. Pénètre dans la forêt des champignons et trouve la chenille. Le brouillard te mènera jusqu'à elle. Puis le lapin blanc cesse de parler. Et après un ultime cliquetis, son mécanisme interne se fait également silencieux. Ok, donc les gens, je vais noter ça. Oracle, forêt champi, brume, chenille. Très bien, je pense que voilà. Avec le lézard, on aurait un ami, c'est possible. Rendez-vous 179. Alice s'enfuit loin de la maison, des larmes ruisselant sur ses joues, bouleversée par la scène à laquelle elle vient d'assister. Une forêt sinistre s'étend devant elle, mais ses profondeurs sombres paraissent préférables à la mort et à la destruction qui règne désormais dans la maison du lapin blanc. Rendez-vous au 397. Toujours pas 340. Les gens, c'est je pense que c'est possible qu'on ait 340, je rappelle qu'on fera gagner un jeu. 397. En pénétrant dans la forêt, Alice passe de la lumière du jour à un crépuscule sinistre et déplaisant. Le long du chemin qui s'enfonce dans cette pénombre surnaturelle, les arbres cèdent à la place
à des champignons plus grands encore. Cède la place, pardon, à des champignons encore plus grands encore. La fillette en vient à se demander si elle n'a pas rapetissé à chaque pas qu'elle a fait à l'intérieur de cette forêt. Le chemin qu'elle suit parmi les énormes champignons finit par bifurquer. Si vous voulez qu'elle choisisse l'embranchement de gauche, allez au 407. Si vous préférez qu'elle suive l'embranchement de droite, qui s'enfonce dans le brouillard, wink wink, rendez-vous au 285. Donc, quel choix ? Gauche, gogo, droite, brouillard, où il faut aller. Allez, bonne chance. Je voulais choisir. Faites le bon choix. Vous trompez pas. Putain, il y a quand même des connards qui gotent à gauche. Merde, ça va être un clip, ça. N'oubliez pas d'ailleurs de faire des clips pendant les lives JDR, s'il vous plaît. Parce que, déjà, un, ça aide la chaîne, en vrai. Mais c'est surtout que ça me permet de faire les best-of JDR. Et j'ai de quoi faire un best-of JDR bientôt. Donc il faut des clips. Même pendant ces lives-là, ça peut pas être cool. Mais le brouillard, les gens, c'est cool. C'est ce qu'on doit faire, 285. What ? À mesure qu'Alice progresse le long du chemin, elle voit s'épaissir les volutes de brume qui serpentaient autour des pieds des énormes champignons. Elle se retrouve bientôt plongée dans un brouillard épais, imprégné d'une puissante odeur de décomposition. Elle atteint un renfoncement au milieu duquel se dresse un large champignon à peu près aussi haut qu'elle-même. Après en avoir examiné le dessous, les côtés et l'arrière, Alice songe qu'elle peut peut-être également inspecter ce qui se trouve dessus. Se mettant sur la pointe des pieds, la fillette regarde par-dessus le rebord du champignon et se retrouve soudain face à face avec une larve monstrueuse, au moins deux fois plus grande qu'elle. La créature possède une tête molle et bulbeuse ainsi qu'une série d'excroissances et de pattes articulées de part et d'autre de son corps ondulant. Elle semble de surcroît, occupée à fumer un narguilé. Alors, le test d'irrationalité, ça ne sert à rien que je le fasse parce qu'on lance 2 dés et j'ai 1. Donc, il n'y a aucune chance que je ne fasse pas au-dessus. L'illustration est trop bien. Il y a un petit côté à Nausicaa de la Vallée du Vent. Vous savez, avec les énormes domus, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. En vrai, franchement, toutes les illustres sont superbes. Donc on a réussi notre test de rationalité avec 323, donc. Ah, vous êtes d'accord aussi ? Très bien. L'énorme chenille se dresse, laissant échapper son narguilé, et tout son corps ondule hideusement. Alice, est-ce toi ? Moi, je vais pas parler comme ça. Alice, est-ce toi ? Demande-t-elle en remuant étrangement ses mandibules. Perplexe et interloqué, ne sachant s'il est plus surprenant que la chenille puisse parler ou qu'elle semble la connaître, Alice répond d'une voix rêveuse. « Je ne saurais pas trop dire. Pour le moment, je sais du moins qui j'étais lorsque je me suis réveillé ce matin, mais je pense que j'ai dû changer plusieurs fois depuis. » La chenille inhale les vapeurs de son narguilé avant de demander. « Tu penses donc que tu as changé ?» « Je le crains, » répond Alice. « Je ne me souviens pas des choses aussi bien qu'avant et il ne se passe pas 10 minutes sans qu'il ne m'arrive des bizarreries. »« De quelles choses ne te souviens-tu pas ?»« Eh bien, cet endroit, pour commencer, tout paraît étrangement familier alors que je ne suis jamais venu ici. »« Tu veux dire que tu ne te souviens pas d'être jamais venu ici ? Ce qui est loin d'être pareil, n'est-ce pas ?» observe sagement la chenille. Elle aspire une autre bouffée, fermant les yeux pour savourer la fumée, puis reprend. De quoi vaut-il mieux que tu te souviennes ? Des choses qui ont déjà eu lieu ou de celles qui appartiennent au futur ? Mais je ne peux pas me souvenir des choses avant qu'elles n'aient eu lieu, s'exclame Alice, agacée par ses absurdités. Une mémoire qui ne fonctionne qu'en arrière est bien médiocre, commente la chenille.
Mais de quel genre de choses vous souhaitez-vous le souvenez-vous le mieux ? Oh, des choses qui ont eu lieu dans 2 semaines, ou aujourd'hui, mais plus tard. Par exemple, je me souviens du moment où, parvenu devant le portail qui mène au palais royal, tu as prononcé le mot de passe, Jabberwocky. Si quelqu'un pose à Alice la question quel est le mot de passe, déduisez 50 du numéro du paragraphe où vous vous trouverez et rendez-vous immédiatement à ce nouveau paragraphe. D'accord. MDP moins 50 au chapitre. Jabberwocky, le Jean. Si vous ne connaissez pas Jabberwocky, j'espère qu'on va pas le voir. C'est terriblement déroutant, déclare Alice. Voilà précisément pourquoi tu as besoin de te souvenir. Eh bien, que choisis-tu ? Le futur ? L'énorme larve indique d'un geste le rebord du champignon. Ou le passé ? Demande-t-elle en offrant son narguilé à la fillette. Alice n'a pas l'habitude d'accepter des présents étranges, d'étrangers, plus étranges encore, mais discuter avec une chenille géante sort également de l'ordinaire. Que devrait-elle faire ? Champignon, donc le futur, narguilé, donc le passé, ou décliné ? Les gens, vous connaissez mon avis. Champi all the way, mais bon. Donc champi, futur, fumé, passé, rien. Après, il y a peut-être un truc dans le passé, j'en sais rien, tu sais. Je ne connais pas le livre, hein, je vous rappelle, mes conseils sont vraiment gratuits, quoi. Mais genre, gratuit, pas dans le bon sens du terme, quoi. Gratuit comme un coup de pied dans un pigeon. Ne donnez pas des coups de pied aux pigeons. C'est gratuit. Ah, il y a presque un équilibre là. Je vous rappelle que si vous êtes sub, votre vote compte double. Et fait augmenter le niveau du marathon téléchat. Bon. Ok, champi du turfu. Manger un petit morceau de champignon. Rendez-vous 21. Alice arrache prudemment un morceau du champignon, le met dans sa bouche, le mâche vaguement, puis se dépêche de l'avaler tant son goût est écœurant. Presque aussitôt, les couleurs qui l'entourent commencent à se mélanger, des hallucinations inquiétantes viennent déformer le monde qui tangue. Alice cligne des yeux. Elle se trouve dans une pièce qui n'est pas sans ressembler au hall des portes situé en bas du terrier du lapin. Un coup d'œil circulaire la confirme dans l'impression que c'est bel et bien le même lieu. Devant elle se trouvent 3 portes. L'image d'un labyrinthe est gravée dans le bois de la première et celle d'un palais sur la deuxième, tandis que la 3e porte reste vierge de toute décoration. Alice éprouve la certitude qu'elle doit ouvrir l'une de ces portes. Labyrinthe, palais, pas de signe distinctif. Merde, c'est cool ça. En vrai, je le trouve pas mal pour l'instant le bouquin. Donc labyrinthe, palais, neutre. Pardon. Marathon téléchat. Trop bien. J'ai dit marathon téléchat, merde, je voulais dire marathon 24 heures nanar. Non, pas marathon téléchat, les gens. Je suis fatigué. Soyez pas méchant avec moi. Pourquoi vous choisissez neutre ? Vous êtes des malades ! Putain. Ok, neutre. Je pense que si on choisit labyrinthe, on a le chemin et on a gagné, mais bon. Allez hop, neutre. 389. Alice se retrouve dans un salon tout à fait ordinaire. Ou du moins, il serait ordinaire si un très gros vieillard n'était pas en train d'y accomplir des prouesses acrobatiques. D'abord, il se tient sur la tête.
puis il exécute des sauts périlleux arrière et Alice le voit ensuite dévorer une oie rôtie entière. Et une oie. Avec les os, le bec et tout le reste. La fillette est si abasourdie par ses extravagances qu'elle ne peut s'empêcher d'interroger le vieil homme. Mais sur quel sujet devrait porter la question ? Sa capacité à se tenir sur sa tête, à faire des sauts périlleux ou à dévorer une oie sans rien en laisser ? Votez. 1. Tenir sur la tête. 2. Sauts périlleux. 3. Manger une oie en entier. Je pense que sauts périlleux, ça nous donne un bonus de d'acrobatie. Je pense. Tenir sur la tête, ça nous donne un bonus peut-être de réflexion, je sais pas. Ou pas du tout, hein, peut-être que ça n'a rien à voir. Bouffer le cul d'une oie. Très bien. 442. « Vous êtes vieux, dit l'enfant, et ne sauriez manger que de la soupe ou bien du potage. Mais vous engloutissez une oie sans rien laisser. Comment est-ce possible à votre âge ?»« Quand j'étais jeune, dit le sage, j'aimais les procès et disputais contre mon épouse. Ma mâchoire de la sorte, fortifiée à l'excès, me permet de manger comme 12. » Le vieillard commence à grincer des dents, comme pour illustrer son propos, puis la brume commence à réapparaître, et il subit une horrible transformation. Son visage s'aplatit et se recouvre de fourrure orange. Ses yeux deviennent jaunes, et ses dents se changent en véritables crocs dans une bouche qui s'ouvre de plus en plus grand pour laisser échapper un rugissement sauvage. Rendez-vous au 452. Oh shit. Au milieu du brouillard, un énorme tigre se jette sur Alice. Ce n'est pas un animal ordinaire. Il semble constitué de papier plié. Si vous voulez qu'Alice utilise la capacité la plume est plus forte pour se protéger de cet origami félin, rendez-vous au 481. Si vous préférez qu'elle modifie l'histoire avec la capacité de plus en plus curieux, 481, et si vous ne souhaitez pas qu'elle emploie l'une de ses capacités dans les circonstances présentes, elle va devoir affronter le tigre de papier. Ok, donc... Donc... Capacité plume, capacité curieux ou bien combat. Ah, les gens, ils peuvent être plus forts que nous, hein. Vous êtes étonnamment sûr qu'on va gagner. Je ne serais pas si sûr que ça. Moi, j'y crois pas trop. Ils ont chopé la confiance avec le premier combat. Fult. Ben j'avoue quoi. On est toujours dans le trip au champi là, non ? Je pense que c'est fini le trip. Très bien, combat. 497. Non, attendez. Non. 492. Le félin n'est qu'un tigre de papier, mais ses griffes semblent capables d'infliger de méchantes coupures. Avant d'entamer ce combat, notez le score d'endurance actuel d'Alice, celle-ci à l'initiative. Ah ! Il a 8 en combat, donc il passe à 5. Ensuite, il égalise... Hop. 6, ok, donc on refait, ben, on a gagné.
Attendez, si Alice est armée d'une paire de ciseaux, chaque attaque réussira à faire perdre au tigre un point de combat en plus des combats habituels. Donc non, on n'avait même pas à faire le lancer. En fait, on l'a éclaté. Juste, on l'a atomisé, le truc. C'est-à-dire, premier truc, on lui retire 3 points de vie. Deuxième truc, on lui... Et il a perdu un point de combat. Deuxième truc, on lui retire 3 points de vie. Et il a encore perdu un truc de combat. Troisième truc, on lui retire... On lui fait moins 1 point de vie. Alice est victorieuse, évidemment. 517. On est balèze. Ouais, mais c'est bien écrit. Je suis pas habitué, les gens. Moi, je suis habitué... Je pense que vous avez oublié le fait qu'on a fait les autres bouquins. Vous étiez vraiment de la merde. En triomphant du tigre de papier, Alice a beaucoup progressé dans sa lutte contre ses peurs intérieures et sera d'autant mieux préparée à affronter le cauchemar qui dévore le monde de ses rêves. Tandis que le tigre se dissout en volutes de brume, la confusion qui s'était emparée de la fillette commence à se dissiper, diminuer de 3 points le score d'irrationalité d'Alice. Donc on est à moins 2. Ils ont jamais dit qu'il y avait un score plus bas. Je vérifie quand même. Je crois qu'il y, a, il y avait rien qui disait qu'on pouvait pas faire moins quelque chose. Hein. Rien qui l'indique. Moi, je me mets moins 2. Désolé, hein. Ça veut dire que tous les jets de trucs, on les gagne et on peut regagner jusqu'à 3 points d'irrationalité. Trop bien. Rendez-vous au 9. Ok. Bon, bah c'est bien ça. Grâce au ciel ! S'exclame la chenille, l'agitation de ses segments trahissant son inquiétude. Je commençais à croire que tu étais parti pour un monde meilleur et que tu ne reviendrais jamais. Le combat d'Alice contre le tigre de papier s'est déroulé entièrement dans son esprit. Ramener son score d'endurance à ce qu'il était avant cet affrontement imaginaire. T'inquiète mec, on n'a rien eu en fait. Revenir où ? Demande Alice. À qui il semble que son esprit et son corps ne sont pas encore bien réunis. Voyons ici, bien entendu, répond la chenille, au pays des merveilles. Je voudrais seulement que nous nous retrouvions dans de meilleures circonstances. Dans quelles circonstances est-ce que nous nous retrouvons donc ? Demande la fillette. C'est la reine de cœur. Elle est encore plus folle qu'auparavant. Nous sommes tous fous ici, murmura Alice pour elle-même. Cette démence a infecté la réalité, changeant les rêves du pays des merveilles en un royaume cauchemardesque d'horreurs imaginaires et de phobies incarnées. Comprends-tu ? C'est pour cela que la reine doit mourir. Alice ne saisit pas la moitié des mots qu'emploie la chenille, mais il paraît du moins clair que tous les gens qu'elle rencontre veulent qu'elle les débarrasse de cette despote du désordre et de la démence. Est-ce que tu as des questions avant de te remettre en route ? Oui, répond la fillette, après avoir réfléchi un instant. Si nous nous sommes déjà rencontrés et que vous étiez déjà une chenille, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas un papillon à présent ? Le vieux père Guillaume dit que je souffre d'une méchante néoténie. Un dernier conseil à présent. Ne t'aventure pas dans la maison de la duchesse. Le cauchemar y est déjà très puissant. Dirige-toi plutôt vers le palais et n'oublie pas de toujours avancer sans jamais revenir en arrière. Pars à présent. Notez le mot métamorphose sur la feuille d'aventure d'Alice. Ok, donc métamorphose. Et donc palais duchesse c'est nope. Non, maison duchesse. Palais. Avancer par arrière. Ok. Bon. On a nos notes. C'est déjà pas mal. Rendez-vous 316. L'étrange brouillard ne laisse rien distinguer à plus de quelques pas et Alice n'est pas certaine d'y pouvoir se fier à ses propres sens. Elle finit pourtant par émerger de la forêt de gigantesques champignons, laissant également derrière elle ses vapeurs déroutantes. Après avoir profondément inspiré le bon air frais pour s'éclaircir l'esprit, Alice regarde ce qui l'entoure. Elle se tient au
au sommet d'une petite pente. D'une pentraide, pardon. Tout en bas, au nord, elle aperçoit une étrange petite maison, aux cheminées en forme d'oreille de lapin et au toit apparemment recouvert de fourrure. Au nord-ouest se dresse un manoir de style paladin. Au-delà de la maisonnette, Alice aperçoit les grandes haies d'un labyrinthe végétal qui semble s'étendre sur plusieurs hectares. Dans quelle direction Alice devrait-elle se diriger à présent ? Le manoir ou la maisonnette ? C'était la maison de la duchesse. Je crois pas que c'était le manoir de la duchesse. Je ne sais pas. Si, alors, je peux vous dire un truc, c'est... La maisonnette, c'est le labyrinthe. Et le manoir, je pense qu'effectivement, c'est peut-être plus au... Je sais pas. Il y a des oreilles de lapin et un toit recouvert de fourrure. Bah, la maisonnette, c'est ce qu'il faut éviter, je pense. Les gens. C'est ce qu'elle nous a dit, d'éviter la maison... Enfin, je rappelle que c'était un bon conseil, hein. Si on suit pas les conseils du truc, on va mourir. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez qu'on meure vite et qu'on arrête de jouer, c'est une possibilité, mais... Mais maison, maisonnette... Alors que manoir, c'est un manoir. On dirait pas maison pour, une... pour un manoir. Manoir, 319. Tandis qu'Alice s'approche du manoir... Des traînées de nuages poussées par le vent viennent masquer le soleil et le ciel s'assombrit. Pressée d'échapper à la bise et au rafraîchissement de l'air, Alice se demande si elle devrait toquer à la porte ou entrer sans attendre. Je vous rappelle que la dernière fois on l'avait toqué, c'était plutôt positif. On avait dit qu'on était poli. Après, je ne sais pas si c'est... Encore une fois, je ne suis pas maître du Pays des Merveilles. Pour l'instant. Je compte bien le devenir. Ok, très bien. 309. Alice s'approche timidement et toque à la porte. « Je ne sers vraiment à rien de toquer », fait une voix venant derrière elle. Elle se retourne et baissant les yeux découvre une grosse grenouille habillée à la manière d'un valet, avec une perruque bouclée et tout ce qui s'ensuit. « Non, ça ne sert à rien de toquer », poursuit le valet grenouille. « Et cela pour deux raisons. D'abord parce que je suis du même côté de la porte que vous. Ensuite parce qu'ils font tellement de bruit là-dedans que personne n'a la moindre chance de vous entendre. » Un vacarme extraordinaire provient en effet de l'intérieur de la maison. Des hurlements et des éternuements incessants, et de temps en temps un grand fracas comme si une assiette ou une soupière avait été brisée en mille morceaux. « Dans ce cas, dit Alice, voudriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer comment je peux entrer ?»« Cela pourrait être utile de toquer, répond le valet, si nous étions séparés par cette porte. Par exemple, si vous vous trouviez à l'intérieur, vous pourriez toquer et je pourrais vous laisser sortir, voyez ?» De toute évidence, le valet grenouille ne sera d'aucune aide. Que faire ? Que devrait faire Alice à présent ? Ouvrir la porte elle-même, renoncer à entrer dans cette maison et prendre son chemin. Mais attends, c'était un manoir ! Il nous arnaque, là ! Attendez deux secondes. Deux secondes. Je regarde un truc. Ah, parce que j'ai pas envie de me faire mettre à l'envers par le jeu en fait. Ouais, bon, bah écoutez, on va continuer comme ça. Hein. Donc, ouvrez la porte vous-même ou renoncez d'entrer et reprendre son chemin. Moi, je pense qu'il faut renoncer d'entrer et continuer le chemin parce que je pense que c'est là le manoir. Mais bon, comme vous voulez.
Mais je trouve ça un peu abusé, là. Genre, il l'appelle clairement la maison avant. Je trouve ça abusé. C'est pas le chapelier. Bah, j'en sais foutre rien. Mais c'est trop dangereux de rentrer, en fait. Si c'est la duchesse, on est baisé. Et je pense que une duchesse aurait un valet. Et des gens qui font le bordel. Continuez, très bien. 228. Oh putain de ta mère. S'éloignant en hâte de la maison sous un ciel menaçant, Alice est quelque peu surprise lorsqu'elle aperçoit devant elle un gros chat assis sur la branche d'un arbre. « Te voilà, » dit le chat, souriant d'une oreille à l'autre. « Je commençais à craindre que nous n'y ayons jamais vraiment l'occasion de discuter. » Si le mot « révélation » est noté sur la feuille d'aventure, ce n'est pas le cas, un nombre doit y être associé, ajoutez 47 et rendez-vous à la section correspondante, sinon 253. Je vous montre le chat, mais il est cauchemardesque, hein, c'est celui de la cover. Donc 253. Je suis vraiment désolé, Minou, fait Alice. Mais qui es-tu ? Qui je suis ? Demande le chat, incrédule mais toujours souriant. Eh bien, je suis le chat du Cheshire. Mais tu devras déjà le savoir. La vraie question sera plutôt qui es-tu ? Mais je suis Alice, répond la fillette avec indignation. C'est ce que tu affirmes. Mais comment puis-je en être certain ? Réplique le chat. Si tu ne sais pas qui je suis alors que nous nous sommes déjà rencontrés, comment peux-tu être certaine de savoir qui tu es ? Comment proposes-tu de résoudre ce problème ? Demande Alice d'un ton de défi. Par le moyen d'une série de questions. Je les poserai et tu devras y répondre correctement pour prouver que tu es qui tu prétends être. À moins que vous ne souhaitiez qu'Alice ignore le chat, il semble qu'elle va devoir participer à ce jeu. Ok. Ignorer le chat ou jouer au jeu. Péterotet. Est-ce que ça va être un jeu qu'on va gagner ? Moi, je joue pas au jeu que je peux pas gagner, en fait. Donc bon. Vous voulez jouer au jeu du chat, j'ai bien compris. Très bien. 303. Très bien, dit le chat. Voici la première question. Es-tu folle ? Que devrait répondre Alice ? Oui, nous sommes tous fous ici, ou non, je ne veux pas me retrouver parmi les fous. Je pense que vous connaissez la réponse, mesdames et messieurs. Très bien. Correct, ronronne le chat du Cheshire. Tu es folle, toquée, complètement dérangée. Mais je vais te livrer un secret. Les meilleurs gens du monde le sont tous. Passons maintenant à ma deuxième question. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ? Que devrait répondre Alice cette fois-ci ? Parce qu'Edgar Allan Poe a écrit sur les deux. Parce qu'on peut tirer on peut en tirer quelques notes, bien qu'elles ne soient guère jolies, et qu'il compose au moins et qu'il se compose au moins à moitié d'eau. Alors attendez, je vous le relis. Hein. Edgar Allan Poe a écrit sur les deux ou « Parce qu'on peut en tirer quelques notes, bien qu'elles soient guère jolies et qu'il se compose à moitié d'eau. » Je dirais que c'est le deuxième parce qu'Edgar Allan Poe, c'est très peu de temps avant Alice. Non, Alice, c'est début 1900 ou fin 1800. Alice au Pays des Merveilles, c'est quand ? Il
Pour moi, c'est genre 1800 ou 1900. Ouais, c'est 1865. Je suis pas certain qu'Edgar Allan Poe était encore... Edgar Allan Poe. Eh, il était mort, donc il avait quand même écrit... Ah si, il devait être connu quand même. Hein. Si, si. Hein. Il était mort, donc ça veut dire que c'est bien. Enfin, il était au moins vivant. Mais je suis pas certain qu'il soit si connu. Mais bon. 354 donc, pour la réponse de l'eau. De nouveau exact, répond le chat. Ou du moins, je pense que c'est exact. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas certain que cette énigme-ci ait vraiment une réponse. Alice sourit avec lassitude. Je pense que vous pourriez trouver un meilleur passe-temps que poser des questions qui n'ont pas de réponse. Très bien. Troisième question, déclare le chat. Vas-tu jouer au croquet avec la reine aujourd'hui? Que devrait répondre Alice à cette question? Oui ou j'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas encore été invité. Ok. Oui, mais pas invité. 376. C'est bien toi, s'exclame le chat du Cheshire avec ravissement. Tu es vraiment la bonne Alice. Comment ça, la bonne Alice? Demande la fille avec une méfiance soudaine. Celle qui nous délivrera du cauchemar. Le cauchemar? Celui que tu vis en ce moment même. La monarque démente doit être renversée ou la psychose dévastera ce royaume, ne laissant qu'un désert de phobie incarnée et d'anxiété paralysante. Alice sent l'étreinte glacée de la peur se refermer sur son cœur. Mais comment suis-je censé sauver le pays des merveilles? Tu dois t'aventurer au cœur de la folie, dans le palais, et renverser la reine de cœur, mais pour parvenir jusque-là, tu devras d'abord traverser le labyrinthe. Tu devras trouver son centre, puis aller au nord, à l'est, au sud, de nouveau au sud, à l'ouest, au sud, et une dernière fois au sud. Cette information utile vous permet d'augmenter d'un point le score de logique d'Alice. Ok. Alors attendez, je pense qu'on va noter les instructions, d'accord. Et logique, on est à 10 maintenant. On n'a encore jamais eu besoin de logique. À présent, remets-toi en route, dit le chat, qui a déjà commencé à disparaître en commençant par la queue. Le temps presse. Il ne reste bientôt plus de lui qu'un sourire qui s'attarde quelques instants après le reste. Alice prend donc son chemin. Notez le code dingue sur la feuille d'aventure. Dingue de mon slip, dingue de mon slip, dingue de mon slip, dingue de mon slip. Je vous montre l'illustration du chat qui disparaît, elle est folle encore. Vous inquiétez pas, je note hein, les trucs. Donc c'est 100. Nord, est, sud, sud, ouest, sud, sud. Ça fait Nessos. 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 216. Oh. J'ai vu une idée du Jabberwocky qui est trop bien. À en juger par ses chemins en forme d'oreille allongée, ses cheminées en forme d'oreille allongée et son toit couvert de fourrure, la maison dont s'approche Alice à présent est un bel exemple d'architecture léporidée. Une longue table est dressée sous un arbre devant elle, avec un large fauteuil à l'une de ses extrémités. Si le mot révélation est écrit sur la feuille d'aventure d'Alice, un numéro doit être censé. Non. 318. Il y a tout un truc qu'on manque. Personne n'est assis autour de la table, bien que tout soit prêt pour prendre le thé. Si vous voulez qu'Alice s'asseye, si vous voulez qu'elle pénètre dans la maison.
Ok. C'est pas très poli hein, d'entrer à la maison comme ça. Là. Tous les cris des naissances. Il y a dans l'illustration du chat un petit côté fractal visuel de quand on a les yeux fermés qui colle bien avec le rêve cauchemar. Alors, franchement, je trouve que toutes les illustrations sont une réussite. Et je trouve qu'on a vraiment l'impression qu'il y a eu plein de possibilités de choix jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux écrit que le Loup solitaire et compagnie. On verra où ça amène, mais pour l'instant, je trouve ça très bien. C'est mon avis. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'était quoi ce personnage? Écoutez, il était là. On s'assoit, on prend un petit thé. 327. Prenant place dans le large fauteuil, Alice observe le régal qui s'offre à elle. Il y a des assiettes couvertes de petits sandwichs aux concombres, de tartelettes et de parts de gâteaux moelleux roses et jaunes, et aussi bien sûr qu'une grosse taillère. Le coup accompagné d'un assortiment de couverts incluant un grand couteau à pain et du plateau argenté qui a servi à tout apporter. Donc, il y a ce verset du thé. Préparer un pique-nique. Ok, pique-nique. On n'a pas perdu de point de vie, je le rappelle. Mais bon. Prendre le couteau à pain. Pourquoi pas. Couteau. C'est à pain, hein, mais bon, voilà. Examiner le plateau. Plateau. Ou se barrer. Vous faites ce que vous le voulez. Moi, je pense que le plateau argenté, c'est pas une mauvaise idée parce que ça fait un côté miroir ou... Je sais pas, je me dis, c'est pas une mauvaise idée. C'est mon avis. Je ne sais pas le jeu, hein, je le rappelle. C'est vos choix. Mais la fin, je rappelle qu'on a à manger sur nous. Hein. On a de la marmelade. On a Lady Marmelade. Le plateau, c'est Ipa. 369. Nice. Large et pesant, ce plateau argenté peut servir de bouclier à Alice si elle le souhaite. Si elle l'emporte, inscrivez le plateau argenté sur sa feuille d'aventure. Et notez qu'il diminuera d'un point les dommages infligés par les attaques ennemies. Si Alice possède un autre objet offrant une protection de ce type, leurs effets ne sont pas cumulables. En raison de son caractère encombrant, le plateau diminuera aussi d'un point l'agilité d'Alice tant qu'elle le conservera sans possession. Alice peut abandonner le plateau argenté à tout moment, perdant à la fois l'avantage et l'inconvénient qu'il apporte, mais elle ne pourra pas en récupérer ensuite. On le met. Donc, plateau. Et c'est quoi? Moins un. Ouais. Moins un démage. Moins un agi. On verra si c'est utile. De toute façon, on peut le retirer n'importe quand. Donc au pire, si pendant un combat, c'est hoche, on pourra agir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Thé, pique-nique, couteau à pain, se remettre en... Je pense qu'il nous équipe. Mais bon, j'en sais rien. Je pense que le thé, c'est une mauvaise idée. Mais c'est tout ce que je dirais. Merde, Alzari qui... qui le met pile au moment où je le dis. Le couteau, c'est peut-être une bonne idée, ouais. Si c'est mieux... Après, ça me paraît pas mal, hein, le ciseau. Le couteau. 359. Alice peut se servir du couteau à pain comme d'une arme si elle n'en possède pas déjà une. Si vous l'emportez en combat, cette infligera 3 points de dommage par attaque au lieu de 2. Bon, c'est la même chose, les gens, ça vaut pas le coup. On prend le couteau, bah on peut le mettre dans l'inventaire, ça nous fait une autre arme. Mais c'est pas une arme en plus, quoi. Couteau. À pain.
On se bat d'abord au ciseau, on est bien d'accord. Bah c'est les mêmes choix, les gens. Encore une fois, je pense que ça a une mauvaise idée, le thé et le pique-nique, mais vous faites ce que vous voulez. Je pense que ce sont des pièges tendus par une quelconque créature. Ah, j'ai voté. On se remet en route. Allez hop. 15. Mais l'endurance, on est déjà bien les gens. Alors qu'elle se demande de quel côté aller, Alice aperçoit un large sourire qui flotte au-dessus du sentier s'éloignant de la chaumière en direction de l'est. Cela pique sa curiosité et elle part dans cette direction. Elle persévère, même lorsque le sourire finit par se volatiliser dans l'air, laissant derrière lui l'écho d'un gloussement. Rendez-vous au 6. Ok. Alice se retrouve ainsi à l'entrée d'un magnifique labyrinthe. En se mettant sur la pointe des pieds, elle peut tout juste distinguer, derrière les énormes haies d'ifs, des tourelles et les créneaux en forme de cœur d'un palais impressionnant. Il est manifeste qu'elle ne pourra l'atteindre qu'en traversant le labyrinthe végétal. Après avoir pris une profonde inspiration, Alice s'engage dans le sentier ombragé et parvient bientôt à une intersection. Des graviers colorés dessinent au sol une rose des vents, avec un grand cœur en son centre. Le nord est à gauche et le sud à droite. Alors, est-ce qu'on est au centre ou pas? Attends, je regarde juste un truc. Je pense que oui. Donc c'est Ness. Il y a deux S, hein, je le rappelle. Donc est-ce que vous voulez que je suive les indications données par le chat du Cheshire ou pas? Parce que il va y avoir 1000 choix, donc voilà. Votez, on écoute le chat ou on écoute le chat? Ah, on écoute le chat. Hein. Ok, donc Nessos. Donc, on va au nord. 38. Alice suit le chemin sentier de gravier, encadré par les haies bien taillées, jusqu'à parvenir à un tournant où se dresse la statue couverte de mousse d'un flamant rose. Je vais noter, hein. Rose des vents. Flamant rose! Il y a un don flamant rose, mais je sais plus c'est combien. À l'est, du coup. Donc en 58. Cheminant à travers le labyrinthe, Alice parvient bientôt à un nouvel embranchement. Ok, il n'y a pas de truc. Donc là, c'est sud. Ok, j'ai un gros problème, les gens. Il me propose que le... On est baisé. C'est pas ça. C'est pas... Ça marche pas. Parce que là, il faut prendre sud et il n'y a pas sud. Alors, je reviens en arrière. J'essaie de retrouver les pages.
Je ne me rappelle plus où c'est. Attends, 6, voilà, c'était là. 6, donc nord, sud, ok. Alors, j'essaie de voir si c'est l'inverse. En faisant sud, est-ce que ça aide après? Je vais regarder, hein. Non, on peut pas. Attendez, j'essaie de trouver des solutions pour trouver le milieu, mais... Merci Alastran. Je ne sais pas quoi faire, les gens. À mon avis, il faut aller au centre du truc, c'est tout. Je sais pas quoi faire là, les gens. Je regarde un truc, je réfléchis à un truc et je vous dis si ça marche. Sinon, on fait voter. Parce que, en gros, je reviens au début, hein, attendez. 6, voilà. Blablabla, l'entrée du panier 1. Hein. Là, elle est au début, elle est à l'entrée. Il faut qu'on aille au centre. Sauf que si vous regardez, c'est marqué. Un grand cœur en son centre. Donc il faut qu'on trouve le centre. Point. Alors la strate de la direction unique, c'est ce que j'ai regardé. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ça marche. C'est quoi l'idée des... L'inverse, c'est pas possible, j'ai essayé. Si on fait sud, il n'y a pas ouest. Attends, je vérifie hein, ce que je te dis, mais je crois que j'ai regardé. Si on fait sud... Après, il n'y a plus ouest, il y a juste... Il y a est, nord ou sud, c'est tout. Et on peut refaire... Après, on peut faire sud, 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 si vous voulez. Mais il y a un moment où on pourra plus. Le nord est à gauche et le sud à droite. Bah écoutez, j'ai essayé de faire inverser, mais ça marche pas. Et tout droit, j'ai essayé, ça ne marche pas non plus. Donc nord, on a déjà fait, mais voilà. Faites ce que vous voulez. Merde, je viens de marquer les deux dans un seul. Nord, sud. La page 340. Attends, je regarde juste c'est quoi 340 pour le fun, voir si on ira ou pas. On peut arriver dessus. Ah, vous voulez dire on démarre par la fin? Sud, sud, ouest. Attendez, je regarde si c'est possible. Attendez, je regarde si cette solution à l'envers totalement est possible. Sud, sud. Je regarde si c'est possible, si c'est ça, je vous lis ça. Non, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Nord, très bien. Je vais faire un petit tableau. Donc il y avait l'entrée qui était là. Donc on est allé au nord. Donc nord. 38. Je note les pages, je note tout. Donc 38, ok. Gravier. Alors, Alice suit le sentier de gravier encadré par des haies bien taillées jusqu'à parvenir à un tournant où se dresse la statue couverte de mousse d'un flamant rose. Quelle direction souhaite-t-elle ? Est ou sud ? Donc je rappelle que techniquement là, le sud, ça va nous ramener, vous vous doutez bien, là d'où on venait. Hein. Donc là, il n'y a que est. Sinon, ça veut dire qu'on revient sur nos pas. Est, c'est 58. Je vous fais choix que dire qu'il y a un choix. Cheminant à travers le labyrinthe, Alice parvient bientôt à un nouvel embranchement. Quelle direction choisit-elle ? Nord, est, ouest ? C'est peut-être là où il faut faire est. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était nord jusqu'à ce qu'on puisse aller à un vrai endroit. Et ça comptait pas est. Donc nord, est, ouest. Donc nord, c'est 70. Et est, c'est 465. J'essaye, hein. Attends, nord. En vrai, là, je suis désolé, mais c'est impossible de réussir. Deux secondes, hein. Excusez-moi, je regarde parce que c'est un peu chiant. Mais c'est pas possible, c'est un peu, c'est méga long en vrai. Je dessine une map en vrai. Bon, écoutez. On va aller à l'est. 465, comme on a fait, comme il a dit, d'accord ? Alors, je trouve pas ça très intéressant, mais bon. Le chantier de gravé parvient à une pelouse et Alice se retrouve devant un terrain de croquet. Fort étrange dont le sol est parcouru de sillons et des arceaux sont faits de grandes cartes jouées recourbées. Si elle est déjà passée par ici, elle est en 248, sinon rendez-vous au machin. D'accord. Donc, 401. Donc là, elle continue. Et elle va en 365. J'aimerais beaucoup faire une partie de croquet, dit Alice. Mais où sont les boules et les maillets ? Elle remarque aussitôt un maillet rose reposant contre un banc au bord de la pelouse. Un instant plus tard, elle aperçoit deux grandes boules épineuses postées sur l'herbe. Tiens, dit Alice, elles ressemblent tout à fait à des hérissons. Les boules frémissent comme si elles avaient entendu les paroles d'une fillette, puis se mettent à rouler dans sa direction. Elles ne sont plus qu'à une faible distance lorsqu'elles se déroulent et se mettent debout. Alice n'a jamais vu de hérisson pareil, aussi grand que des hommes, le dos couvert d'un épais manteau d'aiguilles, les doigts munis de griffes acérées et les yeux brûlants d'une furie bestiale. Ils hurlent. Gotta go fast! Chili dogs!
Mon dieu, c'est Sonic et Knuckles. Incroyable. Non. Avec un cri effrayant, les hérissons mutants bondissent dans sa direction. Effectue un test d'irrationalité. Si elle réussit, rendez-vous au 515. Ok, 515. Je rappelle qu'on est obligé de les réussir. Hein. Tandis que les hérissons mutants s'élancent vers elle, Alice a la présence d'esprit de courir jusqu'au banc pour s'emparer du maillet à croquet. Alice peut utiliser le maillet en combat, le maniant à sa façon d'une masse d'armes. Chaque fois qu'elle infligera une blessure avec ce maillet, elle lance 2 dés. Si vous obtenez de 2 à 6, l'adversaire perd 3 points d'endurance, mais si vous obtenez 11 ou 12, l'attaque fait perdre connaissance à son adversaire qui ne pourra plus suivre le combat. Ah d'accord, donc. D'accord, en gros on a une super arme. Prêt à jouer, demande Alice, le maillet brandi. Rendez-vous en 28. Putain, mais c'est un cauchemar, les gens. Ça s'arrête jamais. Les Spinnekins sont animés par une rage démente et sanguinaire qu'ils ne pourront apaiser qu'en se rapaissant de chair humaine. Si vous souhaitez qu'Alice utilise un... Non, on veut se combattre. 78, vas-y. Excusez-moi, j'accélère, mais là, il faut qu'on termine ce putain de truc. Le premier des Spinnekins s'approche, mais le second reste pour l'instant en retrait. D'accord ? Il est nul. Donc, on va lancer les dés, et si on fait... On peut instant terminer. Est-ce que vous pensez que j'ai fait... Combien ? Sachant que je rappelle, je dois faire soit 11, soit 12 pour gagner. Enfin, pour gagner, pour l'insta-kill, parce que je rappelle qu'il a 8 de... Il a 8 de combat et il a... Attendez. Oui, il a, c'est ça. Il a 8 de combat et 7 d'endurance. 11 ! Insta-kill. Le deuxième. Non. Donc, je lui fais 3 de dégâts. Et lui... Donc je lui refais 3 de dégâts. Et je lui refais 3 de dégâts. Mais en vrai c'est... Enfin bref. C'est gagné. 117. Après cette confrontation désagréable, Alice n'est que trop heureuse de quitter le terrain croquet. Quelle direction choisit-elle? Donc là on est toujours à l'est. On n'a pas d'autre possibilité d'aller autre chose qu'à l'est. Donc 250. C'est toujours la même direction qu'on prend. Je le rappelle, c'est nord-est, sud-sud, ouest, sud-sud. Pour l'instant, ça fait nord-est, point. Donc 250. On suit les instructions du char. Le sentier que suit Alice tourne à angle droit. La fillette se dirige désormais vers le nord. D'accord. Ou vers l'ouest. Et c'est là où on doit aller au sud. What the fuck? Mais non, en fait, ça continue. Non, non, ça continue. L'ouest, c'est là où, d'où on vient, en fait. Donc, 270. Un peu plus loin, le chemin bifurque à nouveau. Voulez-vous qu'Elie se dirige vers l'est? Au sud ou à l'ouest? Donc là, c'est sud, normalement. Donc, attendez. 250, 270. Et donc là, c'est est, donc 300. Sud, 250, c'est là d'où on vient. Attendez, 270. 300. Ben non, je peux pas. Ou à l'ouest, 280. Je ne comprends pas les gens.
Sud, c'est de là d'où on vient. Bon, je vais regarder 280. Le chemin de gravier aboutit à une tonnelle submergée de glycine sous laquelle une bouteille contenant un liquide bleu vif repose sur une table. Je me demande ce qui se passera si je goûte à ceci. Soupçonnant toutefois qu'elle connaît déjà la réponse. Et après, tu reviens en arrière, en fait. Donc ça sert à rien. C'est tellement juif de Travolta, mais c'est ça. Donc là, je peux aller en 300. Certains appellent l'If l'arbre de la mort parce qu'il pousse abondamment dans les cimetières. Quelques-uns affirment même que son ombre est particulièrement obscure et puissante. C'est peut-être pour cette raison que les passages du labyrinthe sont si sombres et qu'il se révèle si difficile d'y distinguer loin les choses. Alice parvient-elle à une nouvelle intersection ? De quel côté voulez-vous aller ? Mais... L'Est, 320, ce qui n'a aucun... Ah si, c'est bon. Donc 320... Le sud, 330. Bah, je vais essayer 330, mais j'y crois plus. Excusez-moi, mais là... La statue d'une tortue avec carapace partiellement recouverte de mousse est placée à un énième tournant du labyrinthe. Sa tête semble orientée vers l'ouest. De quel côté devrait-elle aller à présent ? Le nord ou l'ouest ? C'est 330. Bah, si je vais au nord, je reviens sur mes pas. Si je vais à l'ouest, c'est la 274. Je n'ai revu aucun truc pour l'instant. 274. Pour l'instant, il n'y a aucune page que j'ai revisitée. Nouveau tournant, une petite remise de jardinier et beauty à l'endroit. Jeter un coup d'œil à l'intérieur, sinon 284. Donc, alors, admettons que je regarde à l'intérieur, c'est 294. De toute façon, c'est pareil. Blablabla. Bla bla. On s'en fout, en fait. C'est des armes, c'est tout. Il y a un engrais et des trucs anti-limaces, mais on s'en fout. Donc j'ai dit 285. Non, 284. J'avoue que je trouve ça naze. Je suis désolé, mais là, c'est juste imbitable. Ok, rosier rouge. D'accord, bah, ok. 340, 274, c'est là d'où on vient. 370. Mais c'est que des nouveaux trucs. Genre 370 et 340. Donc, 340. Non, 370. Mais c'est un cauchemar, les gens. Ça ne s'arrête jamais. Une forte odeur. Une fontaine. Et c'est infini, les gens. Donc, 340, admettons. Les gens, c'est sans fin. 257. C'est bon, les gens. 257, Alice franchit un tournant et à son grand soulagement se retrouve ensuite au cœur du labyrinthe. Elle gagne 2 points d'endurance en arrivant ici. C'est bon, on reste là, c'est bon. Les gens, je suis désolé, mais là, il y a... Je sais que c'est un peu triché ce que j'ai fait, mais c'est trop chiant, putain. Insupportable, en vrai. Sincèrement, c'était nul. Là, maintenant, on n'a qu'à faire Nessos. Alors, attendez. Ce dédale est différent de celui du Rominos. Dont Alice a entendu parler dans ses cours de lettres classiques. Loin d'être le périlleux repère d'un Minotaure, son centre abrite un bassin en forme de cœur entouré d'une pelouse permanente. Nick, ta mère, Nessos, donc, Nord, 340. Mais tu fermes ta gueule, c'est les mêmes pages. Bon, peu importe. 340. Est, 350. Sud, 370. Sud, 405. C'est les mêmes lieux qu'on a déjà visités, hein, je crois.
Ah putain, il y a une énigme. Attendez, c'est une énigme. Le chemin aboutit à un portail orné de fleurs et de fleurs métalliques. Il est verrouillé non pas par six serrures différentes. Et les examinant de plus près, Alice réalise qu'elles ressemblent à des horloges possédant chacune deux aiguilles. Il y a trois serrures sur la gauche du portail, une en haut, une au milieu, une en bas. Et les trois autres sur la droite disposées de même. Les aiguilles indiquant les minutes ne peuvent être déplacées et leur orientation est suivante. En haut à gauche, c'est bon, on dit que ça vient. Alice découvre rapidement que les aiguilles indiquant les heures peuvent être déplacées à l'exception de 1. J'imagine que je vais devoir régler correctement toutes ces horloges. Mais nique ta mère, c'est quoi ce truc? Bon, on fait 4, donc on réussit. Test de logique, 415. Mais c'est quoi cette... Ce n'est pas l'heure de sortir le problème de son cadre, se dit Alice. Si vous parvenez à résoudre l'énigme, additionnez les nombres vers lesquels les 6 aiguilles des heures devraient pointer, puis rendez-vous au paragraphe correspondant. Si le paragraphe auquel vous parvenez n'a pas de sens, celle-ci ne va pas trouver la bonne solution. D'accord. On est obligé de le faire. Donc... J'imagine que je vais devoir régler correctement toutes ces horloges. Ce n'est pas l'heure de sortir le problème de son cadre. Ok. Il y a trois serrures sur la gauche du portail. Une en haut, une au milieu, une en bas. Et trois autres sur la droite disposent de même. Les aiguilles indiquant les minutes ne peuvent être déplacées. Et leur orientation est la suivante. En haut à gauche, la demi. En haut à droite, moins le quart. Au milieu à droite, en bas. Attendez. Quoi? Alors attendez, je vais noter ce que je vois. Et ça va être plus simple. Ça fait une demi-heure qu'il vous n'y plus. Mais je suis désolé les gens, c'est un cauchemar. Donc, en haut à gauche, la demi. En haut à droite, le quart. Au milieu à droite. L'heure pile. En bas à droite, l'heure pile. En bas à gauche, le quart. Au milieu à gauche, la demi. Yes. Elle découvre rapidement que les aiguilles indiquant les heures ne peuvent pas être déplacées, à l'exception de celle de la serrure en haut à gauche qui est fixée sur le 3. Ah, c'est la page 340. Excusez-moi. J'étais en mode, vous me dites d'aller à la page 340, mais j'étais en mode, mais ça va pas être drôle en fait, les gens, vous êtes bêtes. Excusez-moi. Alors, on fait gagner un jeu, effectivement. Hop. Les gens, vous pouvez gagner. Hop, vous êtes prêts? Dans le chat, on fait gagner... Attendez, excusez-moi, je dois trouver un jeu que j'ai. Hop là. On fait gagner Remnant 1 Complete Edition. On devait pas soustraire 50 au mot de passe. Non, c'était un mot de passe qu'il fallait. En toute logique, ça devrait être 3, 3, 1,
Non. 6. 1. 6, 6. Donc, 10, 16, 19, 22, 28. C'est pas ça. Elizardos, bien ouais, je t'envoie le lien tout de suite. Tac. Mais les gens, cette énigme est horrible, non ? Je ne comprends même pas le principe. Attendez. Si vous parvenez à résoudre l'énigme, additionnez les nombres vers lesquels les 6 aiguilles des heures devraient pointer. Et ce n'est pas l'heure de sortir le problème de son cadre. Yes. Donc, la demi. Et c'est en haut à gauche, on est d'accord. En haut à gauche, je suis sur le 3. D'accord. Là, en milieu à gauche, la demi. Vas-y, c'est Camé, vous pouvez me backseat, hein, là, c'est bon. J'ai pas lu la piste, excusez-moi, je relis. Hein. Oui, c'était vraiment un mot de passe, et ça devait faire souscrire à passe. Oui, c'est ça. Mais là, c'était pas... Non, c'est un mot de passe, c'est sûr que non. Ne pas sortir de problème de souris, il faut refaire Nessos avec les aiguilles, non ? Comment ? Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas possible, parce que le premier, il est à l'est, s'il est à 3. Et du coup, ça marche pas. Mais je trouve que c'est pas con du tout ce que tu dis, Sekame. Je peux vous relire l'intégralité. Il y a 3 serrures sur la gauche du portail. Une en haut, une au milieu, une en bas. Et 3 autres sur sa droite. Disposées de même. Les aiguilles indiquant les minutes ne peuvent être déplacées et leur orientation est la suivante. En haut à gauche, la demi. En haut à droite, moins le quart. Ah putain, c'est ça. Attendez, j'ai mis écart, c'est moins le quart. Attendez, j'ai peut-être la solution en fait. Moins le quart, ça veut dire que là, ça devient... Ah putain, attendez, j'ai fait 2 erreurs. C'est 9 ici. Là, c'est 6. Donc là, c'est 9. Attendez, là, c'est 3. Là, c'est 3, c'est sûr. Milieu à gauche. La demi. Donc c'est... 3. En bas à gauche, c'est... quart. Donc là, c'est... Quart, c'est 1. Attendez, j'essaye un autre truc. Si c'est ça, c'est bon. 2 secondes. 10, 19, 28, 32. Bon, j'essaye 32, c'est pas ça. Je vous réexplique. Ça n'est pas ça. Attends, j'ai mis 1, droit, ouais. Ah, c'est peut-être 12. Donc à ce moment-là, c'est pas 32, c'est 43. Non. Kéostras a raison. Alors, quand tu as trouvé devant le portail, on t'a dit d'aller à une page, non ? Et chez le devant, on t'avait dit d'aller 50 pages avant l'intitulé ou un truc du genre. Ah mais non, c'était vraiment pas ça, hein. Les gens, c'était un mot de passe. Là, on m'a pas demandé de mot de passe du tout, hein.
Moi, ce qui me redit à la fin... Alors, attendez, hein. Donc, je vous redis des trucs. En haut à gauche, la demi. En haut à droite, moins le quart. Au milieu à droite, leur pile. En bas à droite, leur pile. En bas à gauche, le quart. Au milieu à gauche, la demi. Alice découvre rapidement que les aiguilles indiquant les heures peuvent être déplacées, à l'exception de celle de la serrure en haut à gauche, qui est figée sur le 3. J'imagine que je vais devoir régler correctement tous ces horloges pour pouvoir s'en ouvrir la porte. Voilà. Et je rappelle que j'ai débloqué le fait qu'elle dise « Ce n'est pas l'heure de sortir le problème de son cadre », se dit Alice. Si vous parvenez à résoudre l'énigme, additionnez les nombres vers lesquels les 6 aiguilles des heures devraient pointer, puis rendez-vous au paragraphe correspondant. En haut à gauche, la demi. En haut à droite, moins le quart. Au milieu à droite, leur pile. En bas à droite, leur pile. En bas à gauche, le quart. Au milieu à gauche, la demi. Donc, je vais vous le dessiner, hein. C'est la demi. Hop. Moins le quart. Milieu droite, heure pile. Bas à droite, heure pile. Bas à gauche, quart. Milieu gauche, demi. Ça ressemble à ça. Sachant que en haut à gauche, ça indique l'heure à 3. Donc on peut essayer de faire un cadre, mais on peut. Je peux vous dire ça, ce que ça fait. Donc si on fait un cadre, les gens, ça veut dire que là c'est 3, ici c'est 6, là c'est 1, là c'est 9, là c'est 1, là c'est 1. Donc ça voudrait dire que c'est 10, 20, 21. Je peux essayer 21. Ce n'est pas ça. Bah oui, il faut compter le 3. Attendez, je vérifie. C'est les heures, donc... les 6 aiguilles des heures. Ah, attendez, c'est peut-être des 12 et pas des 1. C'est peut-être ça aussi. Donc à ce moment-là... À ce moment-là, ça serait... 12... Plus 12, plus 12... Plus 6, plus 3, plus 9. Donc... 15, 13 au lieu de 1, non 12 je veux dire, 0, oui c'est 12, putain c'est vrai que c'est con ce que je dis, c'est pas 1, vous avez raison, c'est bête, donc c'est 12 plus 12 plus 12 plus 6 plus 3 plus 9, 54, excusez-moi, j'ai 3 heures de sommeil. Ça n'est pas ça. Par contre... Alors moi, c'est ça que j'avais testé, Tomao. Donc à ce moment-là, si c'est ça, ça veut dire que c'est 3 plus 6 plus 9 plus 9 plus 12 plus 3. Donc je vais pas le faire le calcul, désolé, mais ça fait 3 plus 6 plus 9 plus 9 plus 12 plus 3. 42, je crois que j'ai déjà testé. On va réessayer. C'est pas ça.
Je sais pas quoi faire. Je crois qu'on a déjà testé 24. Non, ça n'a rien à voir. Là, j'ai testé 42. Je peux vous remontrer le petit dessin. Alors, ne fouillez pas aux chiffres. Mais c'est ça. Donc, là, on a le 3 heures, d'accord, qui est en petit. Et les autres, c'est les minutes. Et ils n'ont pas d'heure. Donc, vous ne fouillez pas aux chiffres qui est à côté. Mais c'est celui-là. Excusez-moi, c'est... Ah mais 24, c'est pas une heure, les gens. Ouais, ça fait vraiment un cadre, je suis d'accord avec vous. 48. Non, j'ai pas testé 48. Enfin, je crois pas. C'est 48. Pourquoi ? Pourquoi 48 et les NAC ? Pourquoi 48 ? T'as fail les maths pour le cadre. Ça, je veux bien te croire. Je veux vraiment bien te croire. D'accord. Lorsqu'Alice oriente la dernière... Mais merci beaucoup, Elenac. Lorsqu'Alice oriente la dernière aiguille dans la bonne direction, il y a un grondement de rouage et la porte s'ouvre enfin, révélant un tunnel qui s'enfonce à travers la haie. Alice s'aventure dans la pénombre émeraude et parvient vite devant un mur végétal. Un nouveau bruit métallique se fait... La fée se retournait pour découvrir que la porte se referme derrière elle. Mais ses craintes sont de courte durée. Au même moment, la haie qui lui barre le passage s'écarte pour révéler de nouvelles parties du labyrinthe. Alice se hâte de franchir cette ouverture qui disparaît ensuite comme si elle n'avait jamais existé. Rendez-vous 470. Alors là, j'ai un problème, les gens. C'est que je ne sais plus où j'en suis dans le Azos. Nezo. Alice parvient devant un temple pseudo-classique, à l'intérieur duquel se dresse la statue d'une monstrueuse bête ailée. La fillette ne jette qu'un regard furtif à l'horrible créature, craignant que cette vision ne la pousse vers la folie. Les deux seules directions sont l'est ou l'ouest. Bah normalement ça doit être ouest là. 480. De fait ça peut pas être l'est. On l'a déjà fait. Alice parvient bientôt à un nouveau tournant du labyrinthe. Sud... Donc c'est sud, 272. Quel cauchemar les gens. Au sud, au-delà du labyrinthe, Alice aperçoit les contreforts étoiles du palais qui semblent plus proches que jamais. Sud encore, normalement, donc 76. Ça va, ils ont pas été des connards à mettre une position... C'est bon les gens, on l'a fait, on a fini le labyrinthe, wouh. Putain, avec 3 heures de sommeil, j'ai réussi à faire presque un calcul. Heureusement, Elena qui était là. Gardant un œil sur les tours du palais, désormais bien visible au-dessus des haies du labyrinthe, Alice parvient finalement à un grand portail. Derrière celui-ci, de l'autre côté d'un pont-levis enjambant de larges douves, se dresse l'entrée du palais, du vaste bâtiment. Mais de ce côté-ci du portail se traînent deux brutes musclées que leurs deux tunes... que leurs tuniques mal ajustées font ressembler à des cartes à jouer, le 6 et le 7 de trèfle pour être précis. « Halte, qui va là ?» demande l'un des gardes. « Ami ou ennemi ?»« Ami ?» répond Alice d'une voix hésitante, car les gardes ne sont pas d'allure engageante et leurs gourdins trilobés encore moins. « Que viens-tu faire au château ?» interroge l'autre garde d'une voix nasillarde. « Tu souhaites rencontrer la reine, je présume ?»« C'est bien cela ?» répond Alice, jouant la comédie. « Dans ce cas, tu dois connaître le mot de passe !» « Mot de passe !» 50... Moins 50, donc c'est page 26, logiquement. Non. Attendez. Quoi ? Si vous voulez qu'Alice donne un mot de passe aux gardes... D'accord, ça doit être ça. 113, moins 50. Donc 113 moins 50, on est d'accord que ça fait
63. La chenille a révélé le mot de passe à Alice. Mais si vous vous souvenez de ce que c'est, si c'est le cas, transformez-le en nombre. Putain, c'est un cauchemar. C'est le cas, transformez-le en nombre en utilisant la méthode A égale 1, B égale machin. Additionnez le tout et rendez-vous à la section correspondante. Va te faire foutre, Jabberwookie, quoi. Mais c'est trop chiant, ta mère. Je me rappelle plus quand. Ah là là, Jabberwookie. Allez hop, Jabberwookie. Oui, c'est bien ça l'orthographe. Bah, je pense, oui. Bah, c'est comme ça que ça s'écrit, en tout cas. Oh, bah, les gens, donnez-moi le chiffre. Je peux pas le faire. Je suis désolé, je suis pas en état. Je vais mourir, en fait. Là, vous me demandez un truc. Que quelqu'un le fasse et me donne le chiffre. Parce que là, je vais me suicider en live, en fait. Genre, vous vous rendez compte, le cauchemar. T'es sûr que c'est pas un cahier de vacances, ton livre, masquive. Mais c'est tellement... Putain, quel cauchemar. En vrai, c'est une trop bonne idée, mais c'est un vrai cauchemar, quoi. On est d'accord. Ah, oh, la vache. C'est une vraiment bonne idée. Jabberwookie. Ouais, c'est bien ça, le... L'orthographe. Maxime qui doit... Mais je suis désolé, tout de suite pour Maxime, ça te ferait ban de ta chaîne. Mais c'est méga long. Tu vas découvrir qu'il y a des rapports météo-nazis planqués dans ton bouquin. Mais franchement, plus rien ne m'étonne. Hein. Là, j'étais pas prêt à... Il y a rien de tout ça dont j'étais prêt. J'ai travaillé au design d'Escape Game à un moment. J'avais pas vraiment fait le livre à part pour me... Puis ton linge, c'était quoi? J'ai pas vu ton message. Non, pour ceux qui veulent avoir des techniques, c'est sûr que ça vaut bien rien. Le chapelier a 5 pommes. Il en mange 2. 115! Jabberwookie, répond la fillette avec une assurance qu'on n'attendait pas de ses 11 ans. Tu peux passer, déclare le garde. Les deux rudes gaillards ouvrent le portail laissant Alice sortir du labyrinthe pour s'aventurer vers le palais. Rendez-vous en 446. Alice contemple l'édifice qui se dresse devant elle. Malgré l'abondance de cœur intégré à son architecture, des contreforts aux créneaux en passant par les meurtrières et les vitraux, la fillette n'a jamais vu de bâtiment aussi sinistre. C'est vrai que ça fait un peu peur. Ok. Bientôt on va voir un sphinx. Des tuiles et des toits affaissés sont fendus et ont totalement disparu à certains endroits. De grands corbeaux planent autour des remparts au sommet desquels ils ont fait leur nid. Le palais est entouré de douves remplies d'une eau brunâtre, étouffée par les mauvaises herbes et infestée de cadavres boursouflés de grenouilles et de poissons. Ce bourbier répugnant ne reconstitue cependant pas un obstacle car le pont-levis est abaissé. Après l'avoir traversé, Alice découvre que les portes massives de la citadelle sont ouvertes. La fillette se glisse prudemment à l'intérieur, s'attendant à rencontrer d'un instant à l'autre une patrouille ou peut-être un chien de garde. Mais un silence étrange pèse sur ces lieux, et on pourrait presque croire qu'ils sont réellement désertés. Alice s'aventure dans le palais. 342. Tandis qu'Alice suit un nouveau couloir, certaines de se diriger vers le cœur du palais, les paroles d'une dispute lui parviennent aux oreilles. « J'avais bien dit que le beurre endommagerait le mécanisme !» reproche une voix nasillarde. « C'est un beurre de première qualité !» répond humblement une deuxième voix. « Oui, mais il devrait y avoir des miettes !» grommelle la première voix. « Il n'aurait pas fallu l'étaler avec le couteau à pain !» bâille une troisième personne. « Mais c'est un beurre de première qualité, vous savez !» rétorque la deuxième. De la pénombre qui occupe l'extrémité du couloir émerge l'amalgame de chair et de métal le plus bizarre et horrible qu'Alice ait jamais vu. Oh shit. L'abomination qui se tire devant elle,
a très clairement été trois créatures séparées, un homme, un lièvre et un loir. Mais elles ont été assemblées par un génie dément. Il ne reste que des individus que leurs têtes montées sur un squelette de métal. Des pièces de fer et de cuivre ont été assemblées autour d'une grande chaudière à l'aspect de bouilloire qui laisse échapper une bouffée de vapeur à chaque pas que de l'automatie 2. Une sorte de graisse ruisselle des rouages qui constitue le mécanisme interne de l'abomination. La tête du loir lutte manifestement contre l'envie de s'assoupir. Les yeux et les oreilles du lièvre s'agitent de façon erratique. La tête de l'homme, positionnée entre les deux autres, est coiffée d'un chapeau trop grand. Le chapelier aperçoit Alice le premier. « Elle est ici !» s'écrie-t-il, interrompant la dispute. « Alice est ici !»« Tranchons-lui la tête !» hurle le lièvre. « C'est l'heure du thé !» marmonne le loir somnolent. Il semblerait qu'Alice soit une fois de plus obligée de se défendre. Si vous souhaitez qu'elle utilise sa capacité la plus mais plus forte, sinon elle va devoir livrer bataille. Ça, là, peut-être, je sais pas. C'est vous qui voyez. Donc, quel choix, capacité... On l'a jamais utilisé, hein. Ou combat. C'est vous qui voyez. Bah, techniquement, ce serait plutôt loir homme lièvre, vu la position des têtes. Capacité, très bien, 392. Vous dites que vous avez utilisé du beurre pour graisser vos rouages, demande soudain Alice. À l'automate tricéphale. Oui, mais des miettes se sont glissées dans les mécanismes, répond le chapelier. Et de la mélasse, marmonne le loir. De la mélasse ? S'éclament ensemble le lièvre et le chapelier. J'ai l'impression que tout cela obstrue votre régulateur de vapeur, déclare Alice d'un air entendu. Et en effet, l'évacuation de la vapeur semble se faire de plus en plus difficile. La machine tout entière se met à vibrer, et cognitive furieusement qu'Alice craint que la chaudière n'explose d'un instant à l'autre. « Je veux un nettoyage !» hurle le chapelier, tandis que l'automate semble perdre la maîtrise de ses actions, titubant et agitant les bras en tous sens. Alice se glisse à côté de la créature mécanique et détale en courant le long du couloir. « Par mes moustaches !» entend-elle le lièvre s'exclamer. Puis le palais est secoué par une explosion fracassante, projetant au loin des morceaux de métal tordus et des éclats de céramique brûlante. Alice baisse la tête de crainte que l'un de ces débris ne lui fasse perdre tout à fait. Rendez-vous au 402. Une fois détruit l'automate tricéphale, Alice peut poursuivre sa progression dans les entrailles du palais. Alors qu'elle passe à côté d'une solide porte bardée de fer, un sanglot plaintif lui parvient aux oreilles. Sa nature compatissante lui fait aussitôt demander « Qui est là ? Est-ce que tout va bien ? Et que vous arrive-t-il ? » Mais la personne qui se trouve de l'autre côté de la paroi de chêne semble trop bouleversée pour répondre. La porte se révèle verrouillée lorsqu'Alice tente de l'ouvrir, mais une grosse clé de fer pend accrochée chez voisin. Si vous voulez qu'Alice utilise la clé pour ouvrir cette porte, allez machin, si vous jugez préférable qu'elle ne s'attarde pas plus longtemps, ok. Rappelez-vous, les clés ne sont pas nos alliés, mais bon. Je dis pas que c'est pas une bonne idée, je dis juste, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des couilles. Pas mal, Lizardos. Continuez, très bien. Rendez-vous 431. J'ai regardé, hein, c'était pas une couille. Alice continue d'explorer le palais, traversant des corridors éclairés de torches, gravissant et descendant les escaliers, jusqu'à atteindre une large volée de marches qui mène à la salle du trône. Devant une double porte décorée, incrustée de rubis qui dessine une myriade de cœurs scintillants, se tient une silhouette massive aux allures d'ogre. Cette tunique trop étroite l'identifie comme étant l'as de trèfle, et une cagoule noire lui recouvre partiellement la tête. Les mains du garde sont posées sur le manche d'une énorme hache dont le fer repose sur les dalles de pierre à ses pieds. « Je suppose que vous êtes le bourreau royal ?» lance Alice au colosse. « Tu supposes bien ?» répond l'as de trèfle, soulevant son arme avec un rictus. « Je présume que tu peux aussi deviner ce qui va t'arriver.
trancher-lui la tête, soupçonne Alice. Le bureau second... Le bourreau, putain, j'arrête pas de dire bureau, se contente de ricaner et s'avance vers la fillette en brandissant sa hache. Vas-y, on la bute, c'est bon. Allez, 471, le combat. Désolé, hein, je vous retire les trucs. Mais en vrai, il n'y a aucun moyen qu'on réussisse pas à le buter avec genre un jet de dé parce qu'on va faire genre 11 ou 12, vous allez voir. Genre quasi direct, j'en suis... J'espère. Allez hop, insta dead, c'est bon, nique ta mère. Le ricanement du bourreau redevient un cri de guerre rugissant alors qu'il brandit sa hache prêt à l'abattre sur le cou de la fillette. Ah, techniquement, il y avait initiative, oui, c'est bon, allez hop. Il est KO, hein, par contre, et on l'a pas tué, techniquement. 456, c'est bon, on est pas l'aise. 400 combien, j'ai dit 56. Alice peut emporter la hache du bourreau si vous le souhaitez. Cette arme infligera 3 points de dommage au lieu de 2 en combat, cependant elle est si puissante. C'est bon, c'est la merde. Aucun obstacle n'empêche désormais Alice d'ouvrir la double porte richement décorée pour pénétrer dans la pièce qui se trouve derrière elle. La salle du trône possède toute la splendeur qu'on pouvait attendre dans le palais de la reine de cœur. Ses murs bordés de piliers dessinent un cœur. L'imposant chandelier suspendu à la haute voûte du plafond est orné de cœurs de cristal et au centre de la pièce, là où les courbes du cœur se rejoignent, se trouve un trône somptueux dont l'apparence et la décoration perpétuent le même thème. Assis sur le trône se tient une femme grande et mince, vêtue d'une élégante robe écarlate dont les broderies évoquent une multitude de larmes, le front ceint d'un délicat diadème serti d'un rubis rouge comme le sang. Sa peau possède la pâleur de la porcelaine et ses cheveux, l'éclat de l'argent. Les iris de ses yeux sont aussi noirs que l'obsidienne et une beauté surnaturelle l'imprègne. Sur le tapis, à ses pieds, gît le corps d'une femme bien plus petite, je vais dire pervertie, vêtue d'une robe décorée de toutes sortes de cœurs immaculés de sang. Outre le fait qu'il soit étendu au sol, il y a quelque chose de manifestement anormal à son sujet. Il lui manque très clairement la tête. Celle-ci repose dans la main d'une mystérieuse beauté assise sur le trône, qui contemple avec amusement l'horreur et l'incrédulité figées sur le visage laid de sa victime. Pareillement sanglant, son autre main serre un morceau de chair grand comme le poing, qui continue de battre lentement. « Tranchez-lui la tête !» dit la femme en écarlate, ses lèvres délicates plissées par un sourire cruel. C'était son expression favorite, n'est-ce pas? Mais comme on dit, il faut toujours faire attention à ce que l'on souhaite. Alice ne peut pas bouger, pas même parler, trop horrifiée pour ce qu'elle vient de découvrir dans la salle du trône. Elle réalise soudain que la robe de la femme n'est pas brodée de motifs en forme de larmes, mais de gouttelettes de sang. « La reine de cœur, » poursuit la femme, fixant Alice d'un regard pénétrant. « Mais plus maintenant. » Là-dessus, elle porte le cœur encore vivant de la reine à ses lèvres et ouvrant grand la bouche, à la manière d'un serpent, l'avale tout entier. « J'imagine que tu as été envoyé ici pour éliminer la despote démente, » ajoute-t-elle tout en léchant le bout de ses doigts d'une longue langue reptilienne. La femme sourit séductivement. « Viens, mon enfant. » dit-elle avec un geste de sa main, encore écarlate, fixant Alice de ses yeux qui ne sillent pas. Test d'irrationalité, on a réussi de fait, je le rappelle, on n'a toujours pas perdu de points. Le regard de la reine rouge plonge dans l'âme d'Alice, qui se voit avancer vers le trône comme une somnambule. À l'intérieur de son esprit, une partie d'elle-même lui hurle de détourner le regard pour échapper au pouvoir hypnotique de la buveuse de sang. « Et maintenant, ma chérie, » dit la reine rouge avec un sourire langoureux, « je sais exactement ce qui te ferait plaisir. » C'est alors qu'Alice entend une voix distante qui semble portée par la brise depuis un lieu situé au-delà du Pays des Merveilles. « Réveille-toi, allez chérie !» Et alors que la reine rouge ouvre grand la bouche pour enfoncer ses longues canines effilées dans le cou de la fillette, Alice parvient enfin à échapper à son sortilège et s'apprête à combattre la sorcière sanguinaire. « Très bien, » siffle la diablesse. « Après tout, il vaut mieux être crainte qu'être aimée. » Alors, on peut utiliser la capacité de la plume. Ou bien la combattre. Merde. La clé porte, c'est la capacité de la plume. Désolé.
Ok. Donc capacité de la plume, 506. Alice s'enfuit, terrorisée. Ah merde, c'est nul. La reine rouge s'élance à sa poursuite. Soudain, l'énorme hache du bourreau se trouve dans les mains de la fillette, qui lui fait décrire un arc de cercle meurtrier, sa force décuplée par l'adrénaline qui sature ses membres. Le tranchant acéré s'enfonce dans la poitrine de la reine rouge qui s'écroule sur le sol de marbre. 398. La reine rouge gît sans vie sur le sol de la trame du trône. Le pire cauchemar d'Alice va peut-être enfin trouver un terme. Mais alors que la fillette tente de reprendre son souffle, les mains appuyées contre les genoux, la reine rouge se relève soudain et sa chair guérit en quelques instants de ses blessures apparemment mortelles. « Et maintenant, Alice chérie, c'est mon tour », déclare la vampire avec un sourire cruel. Si Alice n'avait pas déjà conscience des horreurs dont cette suceuse de sang était capable, la voir ainsi ressuscitée ferait peut-être basculer son esprit dans les abîmes de la folie. Et réalise à présent qu'elle n'a pas les moyens de vaincre la reine rouge et qu'elle doit simplement tenter de s'enfuir. Mais comment échapper à une adversaire plus forte et plus rapide, capable de survivre à la blessure qui aurait dû être fatale? Que devrait faire Alice? Bon, les gens... Les gens, je vous propose qu'on triche. En gros, il y a deux choix. Soit parce qu'en fait, il y a le mot revenant est noté sur la feuille d'Alice, on l'a pas. Hein. On a métamorphose et dingue. Soit la plume du griffon, c'est le truc qu'on aurait pu faire dans la prison. Soit on fuit. Mais le griffon, on l'aurait eu, logiquement. Désolé, hein, mais je fatigue. On a le griffon. On a sauvé un griffon dans la prison, d'accord? Rappelez-vous. Comme je voudrais que tu sois là, cher Griffon, pour me secourir comme je t'ai secouru. Rappelle-toi, on s'en rappelle tous, tout le chat s'en rappelle. Ils vont tous le valider dans le chat. On est allé dans une prison. Mais oui, on est passé devant une prison, il y avait le Griffon qui pleurait. On l'a aidé, il nous a donné une plume de Griffon, vous vous rappelez pas? Allez, dit Alice en caressant la plume dorée dans sa poche. Un cri strident et un grand froissement d'aile lui parviennent soudain aux oreilles. Oui, c'est nous l'héroïne, on fait ce qu'on veut en fait. Le griffon était génial, mais oui, il était génial, c'est le meilleur passage, on s'en rappelle tous. Rappelez, et il y a le clip maintenant. Vous le verrez pas là, dans la rediff, mais nous on le voit en live. Un cri strident, un grand froissement d'aile lui parvient soudain aux oreilles. Puis le griffon jaillit dans la salle du trône et vient se poser devant elle. Vite, grimpe sur mon dos ! Lance-t-il, et Alice ne songe pas à discuter. Ne laisse pas s'échapper ! Enfin, ne laisse pas s'échapper ! Hurle la reine rouge, tandis que le griffon s'envole à nouveau en portant la fillette. Je n'ai pas pu la tuer, sanglote Alice, submergée par une vague d'émotions. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Il y a un moyen, répond le griffon. D'après la légende, il existe une arme capable de tuer n'importe quelle créature. Quelle arme? Demande Alice avec une bouffée d'espoir. Les vieilles histoires, la nomme l'épée Vorpal. Mais elle se trouve à des lieux d'ici, sur l'île de Jabberwock. Comment nous y rendre? Il existe un chemin, dit le griffon avant de plonger à travers une porte pour déposer Alice dans une pièce au sol de pierre nue. Un grand miroir en forme de cœur s'y trouve, accroché au fond du mur. « Je retiendrai les rênes aussi longtemps que je pourrai !» déclare la courage créature. « Trouve l'épée !» Et là-dessus, elle s'envole hors de la pièce, déterminée à faire tout son possible pour empêcher le vampire de rattraper Alice. La fillette regarde le miroir et sous ses yeux, le reflet de la pièce se dissout pour révéler un bois à l'apparence sinistre. Ce n'est pas, certes pas la destination la plus tentante, mais comment pourrait-ce être pire que de rester dans ce palais pour y être traqué par le sanguinaire Rayon Rouge? Il faut seulement espérer que ce miroir peut bel et bien être traversé. Si vous voulez qu'Alice essaie d'atteindre la sinistre forêt, oui. Allez hop, 155. Désolé, on continue un peu. On veut l'épée. Se tenant devant le miroir, le cœur battant à tout rompre, Alice prend une profonde inspiration, ferme les yeux et fait un pas en avant. Elle ne rencontre qu'une infime résistance, pareille à un voile de gaz contre son visage, puis une boue visqueuse vient remplacer la pierre dure sous ses pieds. Elle rouvre lentement les yeux, notez le mot portail. Allez hop, portail. Let's go Master Sword là. Blablabla, accompagné du mot numéro 233. Putain, j'ai vraiment failli pas le noter ça. «
Rendez-vous 145. Allez, allez, on chope le Jabberwock là. Alice se trouve au cœur d'une forêt enchevêtrée. Les arbres gris sont, ont des troncs difformes et tourmentés. De la mousse et des lianes pendent à leurs branches. L'air est chargé d'un arôme de décomposition et d'une brume jaunâtre flotte dans les airs. Des gouttes d'humidité se condensent sur la peau d'Alice, dérobant la chaleur de son corps. D'étranges cris d'animaux se font entendre parmi les arbres et la fillette regarde tout autour d'elle, cherchant à deviner d'où viendra le prochain danger. Gare le Jabberwock, mon petit, les crocs mordants, les griffes happants, murmure Alice pour elle-même. Gare l'oiseau jubeux et fuit le Bandersnatch frumiant. Soudain, les multiples bruits du bois tulgu sont réduits au silence par un hurlement terrifiant qui se répercute parmi les arbres et menace de paniquer complètement la fillette. Je ne peux pas rater mes jets. Donc 367. Oh putain, mais c'est infini en fait. Alice se demande ce qui a pu produire un son si effrayant. Oui. Mais ça fait 2 heures, Baptiste, qu'on fait ça. Finis-toi, livre. Alice se demande ce qui a pu produire un son si effrayant. S'attarder ici plus longtemps lui semble, quoi qu'il en soit, augmenter les chances que le monstre la découvre. Un vague chemin s'enfonce dans les bois devant elle. Faute d'alternative, elle entreprend de le suivre. Mais le sol sous ses pas se fait de plus en plus mou, jusqu'au point où Alice se retrouve en plein milieu d'un marécage puant. Des grosses mouches vrombissent dans l'air moite, servant de proie à des créatures amphibiennes et pustuleuses à semi-submergées. Deux des créatures s'extirpent soudain de la boue et se hissent sur le chemin précaire qu'Alice s'efforce toujours de suivre. Elles ressemblent à un croisement de lézards et de salamandres, mais leurs corps sinueux sont striés de rayures blanches et noires, et leurs griffes sont incurvées comme des tire-bouchons. Les créatures s'approchent de la fillette en sifflant, les gueules entrouvertes, dévoilant une myriade de crocs aiguisés. Comment pensez-vous qu'Alice devrait réagir à ce péril ? Essayant de bondir au-dessus, en attaquant les créatures, en réfléchissant d'une façon, ou bien capacité de plus en plus curieux. Curieux, capacité, allez, on l'a toujours, pas de soucis. Je vous promets que je vais le lire le plus correctement possible. C'était Grilly. Les Vousquetov sur loin tour giraient et frisquaient, murmure Alice en regardant les étranges créatures reptiliennes s'approcher. Maril était les Borogov. Sa récitation est interrompue par un caquettement lorsque deux oiseaux maigres et dépenaillés, leurs plumes hérissées comme des aiguilles, descendent des branches d'un arbre tordu pour se poser sur le sentier. Ces étranges volatiles saisissent chacun l'un des Vousquetov. Mais quoi, mais. Et les avalent tout rond. Mais je sais. What the fuck? What the fuck? Au secours, les gens! Alice soupire de soulagement en se voyant délivrée de la menace des Vousquetov. Mais les Borogov, mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule, en fait! Juste ferme ta gueule! Genre, les Borogov, mais. Ah là là, ferme ta gueule, putain, je suis en train de faire une crise d'anévite, mais oui. S'approche à leur tour d'elle, d'une curieuse démarche raide, elle souhaite se défendre. Si vous voulez utiliser la caméra, vas-y, on les défonce, c'est des gogoles volants, c'est les Borogov Golov. Hop, ils sont où? Ils sont là. Allez, ils ont 7 en combat, mais j'ai même pas besoin de faire le combat, ils sont morts en fait, c'est bon. Ok, Alice tue les oiseaux. Elle souhaite de reprendre la traversée. Les oiseaux, c'est des Borogov. Donc au bout d'un moment, appelle-les Borogov, en fait. Hop, ils ont 7 en combat. Donc ça veut dire qu'ils peuvent pas égaler mon score de combat. Donc de toute façon, je gagne. Obligatoirement, à chaque tour. Si Alice tue les oiseaux, elle souhaite de prendre la traversée du marécage avant qu'une autre créature déplaisante ne puisse se massifier. Surtout qu'elle aura un nom de merde. 286. Il faut finir, là. Alice atteint l'extrémité du marécage où la terre ferme vient remplacer la boue sous les pieds. Le chemin qu'elle suit à traverser les bois tulgu. Ferme ta gueule, les bois tulgu. Bifurque devant un arbre sans feuilles, au tronc obèse et tordu. Alice s'arrête un instant pour réfléchir à la direction qu'elle devrait suivre. Sur sa droite, le chemin devient un sentier pierreux, zigzagant parmi un enchevêtrement de rochers vers une élévation escarpée. Sur sa gauche, elle s'enfonce en serpentant dans une partie plus touffue de la forêt. Alice se sent fatiguée. Oui, ben moi aussi en fait. J'ai pas dormi depuis 1000 ans, en fait. Se sent fatiguée d'avoir pataugé dans le marécage, sans parler de ce qu'elle a précédé. Si vous voulez qu'elle se repose un instant, nique ta mère. Non, c'est mort. Il vaut mieux pas s'attarder. Gauche ou droite? Je sais pas. Gauche, on s'enfonce serpentant dans une partie plus touffue de la forêt. Droite, en changeant le rocher. Évaluation. Je ne sais pas.
Les gens, gauche ou droite? Donc, attends, je vous redis ce que c'est quand même. Je vous dis c'est bien. Attendez, je vous redis, hein. Droite, chemin devient un sentier pierreux, zigzagant parmi un enchevêtrement de rochers vers une élévation escarpée. Gauche, enfonce en serpentant dans une partie plus touffue de la forêt. Peut-être qu'en l'air, on peut voir mieux, je sais pas, j'en sais rien. Gauche, très bien. 364, pardon. Les gens, ça ne se finira jamais. Hein. Le chemin que suit Alice longe la base d'un pic escarpé dont les flancs semblent avoir été taillés par les griffes d'une bête gigantesque. La fillette, aperçoit bientôt une large fente qui s'ouvre dans la roche. Parvenue tout près de l'entrée de cette sombre caverne, Alice a la surprise d'entendre un grognement, un guttural, suivi d'un bruit de pas s'approchant. C'est alors qu'elle remarque que les parages sont jonchés d'ossements, dont certains semblent humains. S'enfuir, rester ou se cacher. Les pages se réécrivent au fur et à mesure de la lecture. Au secours, les gens. Au secours. C'est vraiment... Là, ça va plus. On a dit quoi? Se cacher, hein. 343. Limite qu'on meurt, quoi. Alice se cache précipitamment parmi les épaisses broussailles qui bordent le chemin. Dans sa hâte, elle s'égratigne contre les ronces. Yes, ce qui fait perdre un point d'endurance. La fillette étouffe en une exclamation lorsqu'une créature énorme et hideuse émerge de la cave. Sa forme est vaguement humanoïde, mais elle n'est vécue que de peau de bête. D'un bras puissant, elle traîne une énorme massue faite d'une branche d'arbre. Une légion de vieilles cicatrices couvre son corps robuste et difforme. Mais ce qui tient le plus l'attention d'Alice, et la fait trembler de tous ses membres, c'est que les épaules du colosse sont surmontées non pas d'une mais de deux têtes. L'ogre bicéphale renifle brusquement l'air comme s'il avait saisi l'odeur de quelque chose ou de quelqu'un. Tweedledee et Tweedledum, je sens la chair d'une larve d'homme, grogne la tête de gauche. Tweedledum et Tweedledee, je la mangerai avec appétit, ronge la tête de droite, grogne la tête de droite. Chacun de ses pas pesants s'approche un peu plus, rapproche un peu plus l'ogre de la cachette d'Alice. Si Alice transporte du fromage, non. Il s'arrête, retourne, puis s'enfonce dans la forêt d'un pas lourd, lancé sur une autre piste. Rendez-vous au 500. C'est cool, on n'a pas de fromage. Eh, on aurait pu crever. En vrai, on n'a pas triché, là. 501. Avant qu'il ne puisse arriver quoi que ce soit, Alice s'enfuit à toute hâte vers le bois Tulgu. Mais nique ta mère. Elle cesse de courir lorsqu'elle voit les créneaux d'une ancienne forteresse se dresser au-dessus des arbres maladifs. 512. Mais c'est pas possible. La forêt finit par s'éclaircir. Alice retrouve devant les murailles d'une ruine de l'ancienne forteresse. Elle s'avance prudemment jusqu'à l'entrée délabrée et regarde ce qui l'attend à l'intérieur. Le château est peuplé de statues d'hommes en armure, certains à cheval, toute une armée changée en pierre. Quel phénomène a bien pu pétrifier ces guerriers, faisant d'eux des sentinelles silencieuses d'une forteresse oubliée. Un donjon couleur ivoire se dresse de l'autre côté de la cour. Si vous voulez qu'Alice passe entre les rangées de guerriers pétrifiés pour atteindre les marches, ok, si vous pensez qu'elle doit d'abord explorer cette cour. Mais c'est quoi Tulgu? Donc, avancer, explorer. Tous les gens qui votent 2, je vous banne. Putain, ça me donne envie de manger du fromage. Je crois que j'ai faim. Oh, du bon fromage. Oh oui. Oh, bien, bien. En vrai, faites ce que vous voulez, je vous bannerai pas, les gens. S'amuse. J'ai pas de fromage. Fromage, j'ai de la marmelade, mais j'ai pas de fromage. Et dans la vraie vie, je crois que j'ai ni un ni l'autre. Ah si, j'ai du... Ah ouais, je vais me faire un peanut butter. Peanut butter jelly time! Ok, on avance.
447. Un hurlement plaintif se fait entendre autour des remparts, comme si la forteresse était hantée par les esprits des sentinelles de pierre qui veillent éternellement sur elle. Alice parvient à l'entrée du donjon sans rencontrer le moindre obstacle. Après avoir poussé l'antique porte à la couleur ivoire jaunie, elle pénètre à l'intérieur et se retrouve au bas de l'escalier dans spirale dont elle entame l'ascension. Parvenue au dernier étage, Alice franchit une ouverture voûtée et se retrouve dans une salle étrange ressemblant à un mausolée. L'atmosphère est sépulcrale. Je connais ça, sépulcrale. Très bonne campagne de JDR. Ce qui n'a rien d'étonnant car le cœur de la pièce est occupé par un sarcophage de marbre blanc reposant sur un piédestal. Un homme en armure, barbu, est gravé sur le couvercle. Il tient une épée de pierre et son homme est coiffé d'une couronne. Une inscription se trouve ciselée sur les flancs du sarcophage. Pour posséder l'épée, tu dois dire mon nom. Et pour mon titre et ma pièce, tout cela en deux mots. À genoux devant moi pour obtenir ce don, réponds à qui appartient ce noble tombeau. Alice sursaute en entendant quelques bruits de pas dans l'escalier. Qu'elle vient de réveiller quelqu'un ou quelque chose va bientôt la rejoindre. J'ai de logique. Bon, ça devrait le faire parce que j'ai plus 1. Faut vraiment que je fasse 11, c'est bon, 7. J'ai réussi, donc 487. Va vraiment falloir que ça se finisse. Hein. Les bruits de pas de l'escalier se rapprochent de plus en plus. Alice continue d'examiner l'inscription sur la tombe et ce faisant ne peut s'empêcher de songer aux soldats de pierre qui occupent la cour et à leur ressemblance avec les pièces d'un jeu d'échecs. Si vous pensez connaître la réponse de l'énigme gravée sur le sarcophage que vous scellez en lettres, les lettres en nombre en utilisant méthode machin etc. Attends, c'était quoi l'instruction? Pour posséder l'épée, tu dois dire mon nom et mon titre et ma pièce. Tout ça en deux mots. Marbre blanc. Roi en armure, barbu, avec une couronne. Roi blanc. Quelqu'un peut accumuler roi blanc. Merci beaucoup, S de Sèche. Tel best. Sans toi, j'aurais abandonné. Cumuler roi blanc, 1, 2, 3, machin, truc mûche. Il faut rajouter 32 aussi. Désolé. Hein. Vous croyez que ça fait une chanson si je fais ça? Vous avez entendu? Un peu, hein. C'est beau, hein. Moi, j'ai trouvé 32 à vous. Pourquoi je m'attendais à prendre un vrai son? Des fois, ça marche sur certains livres. Mais pas sur celui-là. Ce n'est pas un livre qui chante. Les gens, je suis désolé. Hein, j'étais... Les maths, ça m'a buté. Il y a eu un moment... Le labyrinthe m'a buté. En vrai, c'est pas une purge. Je trouve pas que ça soit une purge, je trouve qu'il est plutôt bien écrit. Mais... Ouais. 106. T'as ajouté le 32 ou pas? Merci. Ça doit être la tombe du roi blanc, c'est Scram, ouais. Alice, à la fois excitée et émue, parce que ça signifie... Émue? Oh! Entre les mains du marbre gisant, l'épée de pierre se met à brûler d'une lumière intérieure. Lorsque cet éclat se dissipe, l'arme n'est plus une simple partie de la statue du roi blanc, ni une lame d'acier brillant gravée de runes de pouvoir. « À l'épée Vorpal !» chuchote Alice impressionnée. Elle chuchote comme ça. C'est pas chuchoté. Sa fascination est interrompue par l'arrivée de quelqu'un d'autre dans le mausolée. Sous la voûte, au sommet de l'escalier, se tient un chevalier vêtu d'une armure écarlate, les visières abaissées de son haume dissimulant son visage. Le cavalier rouge ne prononce pas une parole et se contente de dégainer sa lame d'acier avant d'avancer vers la fillette. Alice devine qu'elle va devoir une fois de plus se battre pour sa vie. Vas-y, je te défonce ta race. 292, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? T'as un chevalier du cul, je suis Alice en fait, mec. Faut que je fasse 11, allez,
les gens, s'il vous plaît, j'ai trop peur de cliquer. Dites-moi, dites tous 11 ou 12. Si je fais 11 ou 12, je suis baisé. Tout le monde dans le chat, dites 11 ou 12, voir si ça marche. Ouais, t'es caté, on triche au pire. Non. Maxime, vois les stats. Non, j'ai gagné le premier tour, mais là, faut que je lance mes dés. Les gens, vous êtes prêts ou pas? Là, il faut que ça fasse 11 ou 12. Je vous montre le truc. Ici, ça a fait 4, ça a fait pair. Ce qui veut dire que je lui ai fait 3 de dégâts. D'accord? Là, si ça fait 11 ou 12, je l'insta-kill. Nique ta mère. Faut que ça fasse pair ici. Donc là, il a perdu encore 3. Donc, moitié de sa vie. Il repère 3 de dégâts. Là, il faut que ça fasse 11 ou 12. Bah non, en fait, là, je le tue. De toute façon. Sauf si c'est bon, je le tue. C'est bon. On a la marmelade. Yes, 484. En vrai, on était craqué à cause de... On était craqué. Attends, 484, c'est ça? Ouais. Le système de combat, je vous réexpliquerai, mais il est pas terrible. Parce qu'en fait... Enfin, ouais. La confrontation avec le Cavalier Rouge a épuisé Alice et Maxime aussi. Mais elle l'a remporté malgré tout. Le Cavalier Rouge désormais mort, Alice peut s'occuper de récupérer l'épée Vorpal. Il parvient en faisant adroitement glisser sa poignée entre les mains. On s'en fout en bref. Récupère la soupèse. Si vous avez choisi la voie de la créativité pour Alice, convertissez les capacités spéciales non utilisées en points de combat. Vous n'êtes pas obligé. Attends, créativité, c'était quoi? Les capacités spéciales non utilisées? On en a utilisé que deux, hein, non? Du curieux en curieux, on l'a utilisé. Et la plume, machin, on a utilisé que deux, hein. En vrai. Donc du coup, ça veut dire qu'on passe à... On a plus 4. Donc on passe à 13. Ce qui est quand même craqué. Hein. Cochez les casques que vous ne souhaitez pas transformer en point de combat. Ah merde. Bah tant pis. Quel que soit votre mode de jeu, aucun s'en... vous pourrez augmenter d'un point son score de combat. Par ailleurs, les blessures qu'il inflige feront perdre 4 points. Ok, d'accord. Donc, on va faire ça. Donc on passe à 14. Je m'en branle, je note tout. Et c'est plus 4 de dégâts. Après, on a le gros marteau qui insta-kill aussi, mais bon. Un grand fracas de métal se fait entendre derrière vous. Alice se retourne juste à temps pour voir que le cavalier rouge se relever et se jeter là d'un mouvement brusque et fluide. 462. Allez hop, il faut mourir là. Il faut que ça se finisse tout ça. Au même instant, le bruit retentissant d'une cavalcade résonne à l'intérieur du mausolée. Un cavalier fantomatique héberge du mur du fond dans une bouffée de vapeur ectoplasmique. Le gardien de la tombe vient au secours de la nouvelle détentrice de l'épée Vorpal. Wow. Ça pète. Hein. Les dessins sont très très jolis, vraiment. Insta-kill non létal, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, putain, c'est quand même... Le cavalier rouge détourne son attention d'Alice pour faire face à cette charge brutale. Les épées s'entrechoquent, faisant jaillir des étincelles. C'est ma prisonnière, vous savez ? Grogne le cavalier rouge. Oui, mais je suis venu ensuite et j'ai secouru, répliqua le cavalier blanc. Nous devons nous battre pour elle dans ce cas. Vous respectez les règles de duel, bien sûr. Comme toujours, répond le cavalier rouge. Elle profite de la diversion qui lui ouvre d'un coup l'épée Vorpal. D'un coup de l'épée Vorpal, elle décapite le cavalier vampirique. Vampirique de où? Vampirique de où? Genre, à aucun moment, c'était un vampire, en fait. Le tranchant aiguisé de la lame traversant sans peine le cou osseux. Alors que la tête, toujours recouverte de son homme, heurte les dalles de pierre, le reste du champion de la reine tombe à genoux et s'effondre complètement sur le sol. Cette fois-ci, il ne se les relève pas. « M'avez sauvé !» s'exclame Alice. « Ah non, merci Alice. » « Mais non, c'est nous. » « Tu dis n'importe quoi, Alice. C'est nous qui l'avons tué. » « Vous m'avez sauvé !» c'est sa maïs, tandis que le chevalier blanc descend de sa monture spectrale. « Une glorieuse victoire, n'est-ce pas ?» dit le fantôme. « Est-ce que votre corps qui repose à l'intérieur ?» demande Alice. « Qu'importe où se trouve mon corps, répond le cavalier. Ce qui est fait est fait, hein. Mais ce qui est à faire reste à faire. Et tant que tu quittes cet endroit, le pays des merveilles a besoin de toi. » Nique ta mère. Si le mot portail est noté, c'est bon. Oui. Il doit t'accompagner d'un numéro. Rendez-vous au paragraphe correspondant 233. Allez, il y en a marre. Je veux finir ça. Alice admet qu'il n'y a pas un instant à perdre. C'est Alice possédée d'une plume dorée, oui. 276. Une perruque. Putain, on peut avoir une perruque, trop bien. 276. Les bruits d'ailes puissants se font entendre depuis l'extérieur de la tour d'ivoire. Alice descend en courant l'escalier qui met à court. Griffon, cher Griffon, t'es vivant ?
Tu détiens l'épée ? Demande le griffon. Oui, allez, monte sur mon dos. Ok, ils arrivent dans une forêt fétide. Ok. L'île de Jabberwock. Attends, quoi ? Non, la clairière. Ok, ils arrivent dans la clairière où il y a le miroir. Un rugissement terrifiant, on soudain le silence du bois. Alice l'a déjà entendu la première fois où elle s'est retrouvée ici. Mais cette fois, il est si proche qu'elle peut presque sentir l'aide de la bête. Fais ce que tu dois faire, le griffon, dit Alice. Attends, non, c'est dit le griffon à Alice, tout ce qui descend de son dos. Je garderai le portail. Ok, Alice ouvre la bouche, mais retient ce qu'elle s'apprête à dire et rote. Le griffon la regarde en mode... Et le griffon a raison, elle doit mettre un terme à tout ceci. Au contact de ses doigts, le verre du miroir revient à un bruit argenté, elle le traverse et se trouve soudain de nouveau au palais où l'attend la reine rouge. 41, il va falloir tuer tout le monde. Il va falloir, là on est d'accord, je suis prêt à genre peut-être tuer Alice aussi. Hein. L'enchantement qui masquait son apparence réelle lors de la première rencontre s'est désormais dissipé. La vampire se jette sur la fillette avec un hurlement démoniaque, résolue à lui arracher le cœur. Si vous voulez qu'Alice... Non, on est là pour se battre. Vous jugez plus qu'au tranchant de l'épée. Oui, 72. Allez, on est là pour la zigouiller, cette grognasse. Mais elle a que 11 de combat. Vas-y, j'utilise ma masse. Boc. Boc! On la paie, on la quête! Rien à foutre! On fait boc, elle tombe par terre et avec l'épée Vorpal, on vient lentement enfoncer, vous savez, ici là. Là, le creux là. On vient enfoncer l'épée Vorpal comme ça. Et pendant qu'elle se réveille, on la regarde droit dans les yeux en faisant. J'ai 11 ans, pétasse! J'ai 11 ans! Tu seras mon fourreau! Voilà. Si Alice triomphe de la Reine Rouge, 125. Faites des clips de ça, hein, s'il vous plaît. Alice prend l'épée Vorpal à deux mains et la plonge dans le cœur putréfié de la vampire. La Reine Rouge pousse un cri horrible lorsque ça fait son existence pour vivante. Et sérieusement, dites-moi que c'est fini en vrai. Son corps s'embrase et il ne reste bientôt plus d'elle que des cendres. Une bourrasque engouffrant soudain dans le palais vient emporter. Quoi ? J'ai raté un mot, c'est pas grave. Alors que les restes de la Reine Rouge sont éparpillés par le vent rugissant, les murs du palais commencent à se dissoudre, s'évaporant comme des volutes de brume. Alice cligne des yeux pour achever de se réveiller, puis baille et s'étire. Elle se trouve dans... Tout ça est un rêve. Elle se trouve de nouveau chez elle, dans le salon, l'outil dans le coin du grand fauteuil. Un adorable petit chaton noir roulé en boule... Ah, c'est nocturne, quand elle était petite. Roulé en boule sur ses genoux, ronronne avec contentement tout en nettoyant le visage d'une patte. Le cauchemar d'Alice est terminé. Elle est revenue chez elle, n'est-ce pas ? Test d'irrationalité. Ben, j'ai réussi, oui. 159. Tu ne devrais pas ronronner si fort, dit Alice. Tu ne devrais pas ronronner si fort, dit Alice en se frottant les yeux, s'adressant au chaton avec politesse mais un peu de sévérité. Tu m'as réveillé de... Oh, d'un son si étrange. J'ai rêvé que j'étais loin d'ici, que j'ai vécu de grandes aventures, puis j'ai rêvé que je me réveillais pour retrouver la maison. Alice cesse de parler, se lève du fauteuil, reposant soigneusement le chaton sur le coussin pour s'approcher du grand miroir qui domine la pièce. Un échiquier repose sur une table voisine. Oh, est-ce que tu sais jouer aux échecs, Minou ? Demande Alice, se sentant l'esprit embrumé. C'est une question sérieuse, car j'en rêvais de jouer aux échecs. Non ? Ou du moins, il me semble que je jouais aux échecs, il y avait bel et bien un cavalier rouge, un cavalier blanc, et une reine rouge, et ta mère. Alice s'interrompt de nouveau, observe par le reflet. Putain, en vrai, trop drôle, non? Si tu veux bien m'écouter, Minou, je te raconterai toutes les histoires. D'abord, il y avait la pièce et tout, on peut voir de l'autre côté, pareil que notre salon, mais tu sais, c'était différent, quoi. Puis il y a tout un paragraphe, là, que je vais pas lire. Alice s'arrête pour regarder les titres des livres en plissant les étagères de la maison de l'autre côté du miroir, et découvre que... qu'elle peut les lire sans la moindre difficulté. Oh, les livres dans le miroir sont dans le bon sens, dit Alice au chaton. Mais alors, ça veut dire qu'on est dans la maison de l'autre côté du miroir. Les pensées d'Alice s'éclaircissent tout à coup. Ceci n'est pas réel, s'exclame-t-elle. Saisissant un tisonnier de la côté de la cheminée, elle s'avance vers le miroir. Rien de tout ceci n'est réel. Mais on a réussi notre chef de... What the fuck. Elle relève son arme improvisée. N'épée Vorpal est où? Elle l'abat violemment sur la paroi de verre. Le miroir explose, une cascade d'éclats argentés se révélant derrière lui que le néant le plus noir. Puis la cheminée se brise, ainsi que la table, l'échiquier, le fauteuil et même le chaton, jusqu'à ce que le monde d'Alice se désagrège autour d'elle. Mais on est censé avoir gagné. Nique ta mère, c'est censé être fini là. Putain.
C'est classe. Oh la vache. Alice se tient sur un sol dallé qui évoque une énorme échiquier. Entre ses doigts, le tisonnier a repris l'apparence de l'épée vorpale. Au-delà des bords de l'échiquier, le sol s'est volatilisé, il n'y a que les ténèbres. Ok, j'avance. Debout de l'autre côté de l'extrémité, c'est une fillette d'environ 11 ans, aux cheveux blonds emmêlés et au regard farouche. Nous nous rencontrons enfin, déclare-t-elle. Mais... Alice appelle tant de s'exprimer, réalisant qu'elle se trouve face à une réplique exacte elle-même. Encore que celle-ci aborde une expression malveillante rappelant la reine rouge. Tu es moi ? Pas encore, mais c'est mon intention, et pour l'autre, je dois vraiment être en train de rêver tout ça, ouais. Bien sûr, tu savais rien, dit ta mère, voilà. Allez, on avance. En vrai, c'est cool, hein. Alice connaît enfin la vérité. Tout ceci n'était qu'un piège pour en intéresser, mais dans quel but ? La conquête, pour sûr. Prendre le pouvoir, dire payer la souveraineté. La conquête du pays des merveilles, mais non, imbécile de toi, de ta forme physique, en fait. Tu sais ? Ah, ouais. Ok. Voilà. Alors, ça doit être mon désanniversaire, l'Australis. Ok, cool. D'accord. À toi de jouer. La Jabberwock Alice. Attends, le cou de l'Australis s'allonge et se tord comme un serpent. En même temps, son corps commence à gonfler, déchirant sa robe et sa peau se noircit tout en recouvrant d'écailles. Deux énormes ailes naissent dans son dos. Ok, trop bien. On a la plume dorée. On a la plume dorée, 29. Je suis désolé, les gens, mais là, j'en peux plus. Il y a le gras. Je vous résume. L'autre Alice veut notre corps. Elle nous a piégés. Elle se transforme en Jabberwock Alice. D'accord ? Le griffon arrive. Il fonce. Elle a subi une attaque. Notez-le. Hein. 79. Si le mot revenant est écrit sur la feuille d'aventure. Non. 128. Un gémissement sépulcral se fait entendre, Alice stupéfiée voit le fantôme qu'elle a libéré dans la bibliothèque. Ah merde, mais j'ai dit oui alors que non en fait. Je suis con. Attendez. 153. Excusez-moi. Si le mot dingue, oui, dingue de bon slip, ça c'est bon. 99. C'est cool, ça active les trucs qu'on a fait. Tandis que créature reptilienne s'approche d'Alice, sa pas, machin, attiré par un large sourire, grande dent, apparaît dans l'air juste à côté d'elle. Le sourire, c'est le chat du Cheshire qui vient et qui l'attaque. Une attaque. Donc là, ça fait deux attaques qu'il subit. Un, deux, ok. 119. En gros, là, c'est le combat, les gens. Mon métamorphose, oui. 322. Hop, là il y a un papillon bleu qui arrive. Ça y est, c'est devenu un papillon bleu. Oh, il lui fout des spores dans la gueule. Trop bien. Une autre attaque. Subit trois attaques à Jabberwocky. Non mais le chat attaque Jabberwocky, pas nous. 231. Je vous ferai un résumé du scénario, vous inquiétez pas. Combien d'attaques le Jabberwocky ? 3. 363. Il peut en avoir jusque 4. La Jabberwock Alice chancelle, ok. L'initiative ne fera que 3 points de dommage. Bah, elle est baisée. Elle a 9 de combat, bah c'est bon, elle est morte. 500. En vrai, c'est trop débile parce que. Enfin, je vous expliquerai le système de combat, mais en gros, le système de combat, c'est t'as un score et l'autre un score. A chaque fois que c'est ton tour, t'as plus 1 à ton score. Si t'as plus que l'autre, tu le gagnes. Fin. Et du coup, bah là, elle a 9, on a 14. Oh! Mince, elle passe à 10. Oh, bah j'ai 5 de plus. Enfin, 4 de plus. Quoique non, j'avais Pévorpal. Ah mais non, c'est bon, j'ai déjà compté ça. On a tué Jabberwock, 520. Faut que ça s'arrête maintenant. Dites-moi que c'est la dernière entrée et qu'on a fini. Alice plonge l'épée Vorpal dans le ventre vulnérable du Jabberwock. Transperçant les entrailles et tout. Décapité. Ok, les souvenirs de sa présente visite. Elle est totalement seule. Une élue trop classe. Qu'est-ce qui m'attend à présent ? Demande-t-elle au vent. Ça dépend, j'ai une bonne partie, machin. On part avec le chat du Cheshire. Merci, au revoir.
Elle se sent apaisée, les peines et tout. Dans un pays distant, elle reste à dormir, rêvant sans fin, tandis que le jour s'étire, rêvant sans fin, tandis que les étés expirent, sur le cours du ruisseau, sans hâte ni trêve, s'attardant un peu dans la lumière si brève. La vie, n'est-ce vraiment autre chose qu'un rêve? On a gagné. Donc en gros, tout ça, c'était un piège de l'Alice de l'autre côté du miroir, qui en fait nous a piégés. Et c'était le Jabberwocky, qui était Jabberwockalice, qui nous a piégés. Mais nous, on s'est alliés avec des gens, notamment le Shoshashire, la Mofette à elle, c'était quoi l'autre? Le Griffon. Tous ces gens nous ont aidés. Et grâce à ça, on a réussi à buter ce salaud Jabberwocky avec notre épée Vorpal du cul. Honnêtement, c'était vraiment mieux qu'un loup solitaire, mais je trouve que c'était vraiment très long. Je suis désolé, je suis explosé, mais je trouve que c'était vraiment le griffon quantique de l'effet Mandela. Je trouve que c'était vraiment bien. Le seul truc, c'est vraiment le labyrinthe était un cauchemar. Parce qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir. C'est vraiment du pur hasard de trouver le milieu. Donc honnêtement, je reste sur le fait que c'est un des meilleurs qu'on ait fait. Alors, le système de combat est ridicule. Honnêtement, à partir du moment où t'as 9 ou 10 en combat, t'es invincible. Donc voilà. Et les autres trucs, tu les testes jamais. Donc, pareil, le coup de la porte de prison, bah, tu le fais pas, t'es baisé. C'est pas du hasard, fallait juste que le chat aille le voir. Et alors, je précise que l'énigme des horloges et tout était pas mal, en vrai. C'était vraiment le labyrinthe qui était pour moi la pire idée du livre. Ça la kill, je trouve. Donc voilà, on a 9 dès le départ en combat, non? Tu choisis combien tu mets à Tot. Moi j'ai mis 9 dans tout, mais c'est abusé en fait de mettre 9. Et très vite j'ai eu 10. Je le rappelle. Parce que j'ai gagné plus 1. Donc voilà. Mais t'es sûr d'avoir compris le système? C'est chelou que ce soit ces bricoles. Ben, franchement, c'est ça. Hein. Attends, je vérifie. J'ai peut-être dit de la merde, mais... Je vais vous relire. Lancer 2 dés, ajouter le score de combat d'Alice. Le résultat, le force de combat d'Alice. Ajouter le... Ah non, je n'ai pas fait les dés. J'ai simplifié le système, il était bien mieux. J'ai loupé la première page, en fait. Mais je vous explique pourquoi. C'est parce que je l'ai pris comme ça. Il y a déjà tout ça de règles. J'ai raté ça. Eh, c'était bien mieux comme ça. Oui, enfin, ça change pas grand-chose. Si, en vrai. Ah, force de combat. C'est ça, le détail. Eh, là va, ça va, hein. J'avais 3 heures de sommeil, j'estime que j'ai déjà assez bien géré le système de combat. Toujours est-il que les systèmes de combat comme ça, je trouve ça nul dans ces bouquins-là. Je trouve c'est naze, les combats dans ces bouquins-là. Je trouve ça inintéressant. Voilà. Les combats dans ces jeux-là sont naze. Point. Mettez pas des combats. C'est nul. Voilà. Et en plus, quand ils sont si mal faits que quelqu'un qui a dormi 3 heures ne les comprend pas après une journée et qu'il a fait du sport et qu'en plus il a faim, voilà. Les créatures qui n'ont aucun sens, à un moment, arrêtez. Tout le passage sur l'île de Jabberwock, trop long. Faites des clips, hein, les gens. Faites des clips si vous voulez un best-of de ça. Parce qu'en vrai, je pense qu'il y avait des trucs pas mal. Les Tuglus, là, la forêt Tuglus, c'est bon. On sait que ça n'existait pas, en fait. Trop de créatures bizarres. Donc, attends, c'est trop... Ce clip-là, il est incroyable. J'ai 11 ans, là. Oh, non. J'ai 11 ans. Ah, mais il n'y a pas tout le truc avant. Il faut qu'il y ait tout le truc avant. Ok, rien à foutre. Et on fait boc, elle tombe par terre. Et avec l'épée Vorpal, on vient lentement enfoncer, vous savez, ici, là. Là, le creux, là. On vient enfoncer l'épée Vorpal comme ça. Et pendant qu'elle se réveille, on la regarde droit dans les yeux en faisant « J'ai 11 ans, pétasse! J'ai 11 ans! Tu seras mon fourreau !» Ok, rien à foutre. Un...
Incroyable. N'empêche qu'on a gagné. Et ça, ça c'est beau. C'est ça le plus important en fait. Par contre, je tiens à dire qu'on a eu la vraie fin. On a triché un peu, mais pas tant. Bah, tous les combats quoi. Basiquement tous les combats. Basiquement absolument tous les combats. Mais en dehors des combats et du labyrinthe et de l'énigme et aussi du truc du griffon. Basiquement, on n'a pas triché. Ce qui veut dire que... En vrai, on a triché quoi ? Moins de 95% du temps ? À peine 80%, je dirais. Ce qui est quand même pas mal. On a sauvé le griffon. On a gagné les combats. On a fait les énigmes, premier coup. Entre ça et le... Mais merde, il y a vraiment des cons qui volent vraiment à gauche. Tout était légitime. Honnêtement. Ça, il est trop bien, connard de gauche. Vous trompez pas. Ça, il y a quand même des connards qui gotent à gauche. Qui gotent à gauche, merde, je suis... Vous trompez pas. Ça, il y a quand même des connards qui gotent à gauche. Qui gotent à gauche. Putain, je suis... Oh. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est... J'aimerais bien que cet état dont je suis là, je puisse le faire pendant certains lives. Parce que c'est trop bien. Mais le seul moyen de le faire, c'est vraiment genre l'alcool, quoi. L'alcool ou un truc comme ça, je pense, qui te met dans cet état-là. Peut-être... Mais parce que la vie, c'est pas exactement ça. Hein. Pendant la LNR, ça sera... il l'a dit. Et fait augmenter le niveau du marathon téléchat. Bon. Ah, putain, je l'ai vraiment dit, quoi. Le manque de sommeil, c'est comme l'alcool. Là, on est d'accord, c'est plus ça, quoi. Gotaga, c'est Gotaga de gauche. C'est ça. C'est un Gotaga, mais il donne son argent à... Je sais pas ce qu'il fait, Gotaga, en vrai. Il donne peut-être de l'argent à des associations, j'en sais foutre rien, en vrai. Je sais pas ce qu'il fait du tout. C'est équivalent des lives où on va directement voir les fins des jeux sur YouTube. C'est vrai, Tot. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour nous divertir, sombrer dans l'alcool comme tout idole déchu. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que j'ai du mal à croire que je serais drôle avec de l'alcool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Je pense que c'est pas très drôle. Non, mais juste, dors pas. C'est plus dur à gérer, quand même. On est d'accord ou pas ? Le manque de sommeil et l'alcool, t'as pas pareil. Ben, c'est ça, quoi. Personne n'est drôle avec de l'alcool si t'es bourré. Mais c'est ça, je pense. Là, je pense que je suis drôle parce que je suis absolument maître de ce que je fais. Notamment ma maîtrise du système de jeu, ce livre merveilleux, que j'ai absolument maîtrisé comme Croctune l'a prouvé. C'est 45 minutes que je dois partir du taf et je suis mort dehors. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé, Lizardos. Allez, go, peanut butter jelly, tout faire sommeil, t'as bien mérité. Franchement, je tiens à dire que je tiens à mes paroles, j'ai fait ce live. Fin. Je sais pas, j'avais pas de truc derrière. Moi, les gens. J'ai commencé la phrase. Écoutez, je savais pas où j'allais. Nulle part. Nulle part. Juste nulle part. Bisous, bisous, bisous partout. J'oublie. Fin. N'oubliez pas que demain soir, on se fait My Friendly Neighborhood, qui a l'air incroyable. C'est avec des Muppets, ça fait peur. En vrai, ça fait pas extrêmement peur. Mais c'est un petit côté Resident Evil avec des Muppets, et ça, c'est cool. C'est un jeu qui est quand même original, donc c'est cool quand même. Dimanche soir, obscur avec ses trouilles, je sens que je vais péter un câble contre ses trouilles et ça me fait trop rire. Je précise que bien évidemment, en toute amitié, hein, bien sûr, ne pensez pas qu'on va s'engueuler réellement. C'est pas... Je pense qu'on s'engueulera, mais pour le fun. Voilà. Ça sera dans une bonne ambiance, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas d'être là, n'oubliez pas de ramener des gens pour qu'ils fassent péter le niveau 6 et qu'on ait le live marathon nana 24h parce que ça serait quand même vachement bien. Encore merci d'ailleurs à tous les gens qui ont subé, aux gens qui ont éclaté les paliers de sub, notamment Elenac et évidemment le King, le dernier des Pélicans. Et voilà quoi, je vais les viscérer en toute amitié.
Faites de beaux rêves. Et on se dit à demain. Il faut encore que je configure la rediff des mémoires du mythe, mais ça va le faire. Bisous, bisous. Bisous partout. Faites de beaux rêves. À demain pour plein de choses. Je coupe YouTube. À plus YouTube.